Moment du journal du soir. Voici votre animateur, François Saint-Louis. Eh bien, bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette édition du Journal du soir en ce 23 mars 2018. Eh bien, ce soir, encore une fois, nous allons brosser un tableau de l'actualité qui... souvent, on ne s'attend pas trop à ce qui est de la nouvelle. Et puis, patelon, il y en a une. On se rappelle, on revient sur la situation, évidemment, au Bloc québécois, qui fait en sorte que le président du parti, Mario Beaulieu, demande la tête de Martine Ouellet maintenant. Ce qui fait que elle va commencer à se sentir bien seule, cette chère Madame Ouellet. Et je pense que ces heures sont comptées. À partir de maintenant, là, on dira bien que Mario Beaulieu emmène large au Bloc québécois, c'est vrai. De là à dire qu'il contrôle le parti, ça c'est un autre paire de manches. Hein. Je n'ai jamais vu une personne dans le mouvement souverainiste au Québec contrôler un mouvement complet. Toujours eu de la contestation. Mario Beaulieu ne mène pas le Bloc québécois, mesdames et messieurs. Je vous le dis à l'instant, et je ne pense pas que Mario Beaulieu contrôle le Bloc québécois. Ôtez-vous ça de la tête, là. Il y a peut-être bien de l'influence, oui. Il est député, déjà. Un député, c'est influent. Mais il reste que je n'ai jamais vu une personne dans le mouvement souverainiste contrôler un mouvement complet. C'est quasiment impossible. Il y a trop de monde. Il y a trop de monde pour qu'une personne puisse contrôler à elle seule tout le parti. C'est ce que j'entends d'ailleurs dans les médias. On rapporte ça en pensant que le Bloc québécois, c'est le parti de Beaulieu. Wow, un instant, mesdames et messieurs. On n'en est pas là du tout. Mais il reste que sur 10 députés, là, il y en a maintenant 8 qui ont quitté. Je pense pas que Mario Beaulieu ait quitté le caucus du Bloc, de ce qui en reste, en fait. Parce qu'il reste Marlène Gill, Xavier Barcelos-Duval, puis il faut se rappeler qu'ils sont en couple, ces deux-là. Là. Si je me trompe pas, là, en tout cas, si mon information est fausse, dites-moi là tout de suite sur Facebook, mais l'information que j'ai, c'est que c'est un couple maintenant. Même s'ils sont deux députés dans différents comtés, ils forment maintenant un couple. Puis le petit bébé que vous voyez à la télé souvent, là, c'est leur bébé, à moins que je me trompe, là, mais c'est leur enfant. Ce qui fait qu'à Martine Ouellet, il reste un couple. Comme député, et peut-être d'autres, là, ben, que je ne. Mais là, tu sais, vous savez, quand Mario Beaulieu quitte, c'est que il ne mène pas le parti, mais connaissant Mario Beaulieu, il est capable de travailler par en dessous. Là. Quand je dis ça, c'est pas négatif. Là. C'est capable de travailler, faire un travail de terrain. Et je pense que, vous savez, je me suis pas toujours entendu avec Mario Beaulieu, mais je pense qu'il a compris quelque chose, Mario. C'est-à-dire que, vous savez, quand on me traitait, on traitait les Félix Pinel et ceux qui avaient une critique envers Martine Ouellet, et puis Stéphane Dallinger, c'était un de mes chums, là, j'en veux pas, là, me traiter de faux cul et d'hypocrite. Mais au contraire, je suis pas un hypocrite parce que je le dis ouvertement. Ceux qui sont hypocrites, c'est que ceux qui ne le disent pas font semblant d'appuyer et travaillent par en dessous contre une personne. Ça, c'est hypocrite. Mais c'est pas mon cas. Maintenant. Je pense que Mario Beaulieu a compris une chose, c'est que où il y a des réalités qui ne trompent pas.
ce que j'ai su, c'est que le financement au Bloc québécois et la rentrée des membres sont en déclin, mais en déclin important, voire même presque nul depuis un mois. Et je pense que Mario Beaulieu a déjà fait preuve de, disons, d'une certaine solidarité envers le mouvement souverainiste, parce qu'il a déjà cédé sa place, voyant qu'il s'en allait direct dans le mur quand il était chef du Bloc. Ben, il a cédé sa place à Gilles Duceppe. Et au-delà de certaines critiques, moi j'en ai eu contre Gilles Duceppe, puis regardez, là, tu peux pas faire une vie de la politique de 25 ans sans, en étant parfait sur les 25 ans, c'est impossible. Mais il reste une chose, c'est que moi, le premier qui a critiqué Gilles Duceppe, quand il est venu remplacer Mario Beaulieu à la chefferie du Bloc québécois, j'ai applaudi, parce que je savais que au moins il connaissait ses dossiers, c'est quelqu'un qui connaissait ses dossiers, il était crédible. Et j'aurais peut-être aimé qu'il se présente dans un autre comté que Hochelaga-Maisonneuve, mais il voulait peut-être pas être député là, élu. Sauf qu'il mettait son nom dans son ancien comté, sachant probablement qu'il se ferait battre. Mais il est venu, j'ai du CEP à la rescousse du Bloc québécois, disons par... non pas par opportunisme, mais... par militantisme, et je pense qu'il était honnête dans tout ça. J'ai du ça. On dira ce qu'on voudra, là. Puis dites ce que vous voulez. C'est bien beau pas être d'accord ou être d'accord avec la façon dont il a dirigé le Bloc. Oui, c'est arrivé certaines fois qu'il était très discipliné. Il y avait une discipline assez... il y avait de la rigueur au niveau de la discipline, au niveau du caucus des députés. Et je pense que quand tu es chef de parti, ça prend ça un peu, parce que sinon, ça va être... il y avait une quarantaine de députés, ça va être 40 poules pas de tête qui peuvent s'en aller. Non, faut que tu maintiennes une cohésion. Et ça prend une certaine main de fer pour faire ça. Et je pense que Gilles Duceppe a bien répondu à l'appel quand il a été chef du Bloc. C'était sérieux, le Bloc québécois, là. C'était pas un parti qui passait son temps chicané sur la place publique. Il y a moi qui l'ai critiqué il y a une vingtaine d'années, peut-être d'autres aussi, mais ça peut être bien, bien plus loin que ça. Il y a eu beaucoup plus de tiraillements au Parti québécois, mais ça, encore une fois, c'est des racontards des journalistes. Parce que, vous savez, si les journalistes n'avaient pas le Parti québécois à se mettre sous leurs dents de temps en temps, trouveraient qu'il n'y a pas trop de vie à la CAQ, à Québec solidaire et au Parti libéral du Québec. Le seul parti où il y a des idées qui se brassent et des idées qui s'affrontent, c'est au PQ. Puis c'est parfait, puis c'est bon, puis c'est excellent. Et que les journalistes et les gens trouvent que les souverainistes se chicanent, c'est pas grave. Ça fait partie de la société. Et ceux qui ne sont pas contents de ça, qu'ils aillent se faire voir ailleurs. Et que si ceux et celles qui ne seront pas contents de ce qui se passe dans le Parti québécois et dans le mouvement souverainiste, parfois quand il y a certains brassages d'idées ou certains brassages entre les gens, allez voir dans vos propres familles, mesdames et messieurs. Puis dites-moi, quand vous êtes plus qu'un enfant, vous êtes deux, dites-moi que vous n'êtes jamais, mais jamais chicané avec votre frère ou votre sœur. Oh, faut faire attention, c'est-tu des sœurs ou des frères qu'on a? Il faut enlever le père, la mère, monsieur, madame, frère, sœur. Est-ce qu'on va avoir le droit encore, en passant? Ceci étant, j'ai mon ami Denis Raté qui est en ligne. On fait plaisir d'y parler. Denis, est-ce que tu es là? Ben oui, je suis là. Oui, Denis, salut. Ben oui, salut. Ça va bien? Ben, ça va pas pire malgré tout, là. C'est sûr que on est dans tempête un peu. Moi, je trouve que... Moi, comme je te dis, je sais pas si tu m'écoutais avant, là, mais le bon sens, j'ai bien... Écoute, je suis toujours encore avec Jean-Claude Pomerleau, je me tiens encore avec lui.
puis il arrive exactement qu'est-ce qu'on avait peur qu'il arrive, tu sais. Et tirer la sauce qui est en train de sûrir, puis tout. Et je sais pas si tu t'en souviens, François. Moi, j'ai écrit juste un article dans Vigile. J'ai écrit juste un. Si tu changes dans les auteurs, là, tu vois, Denis Ratté, ils ont fait une erreur, ils en ont mis deux, mais il y en a juste un. C'est le titre, c'était durant la course à la chefferie du Parti québécois. J'avais écrit Indépendance, danger à gauche. Puis je parlais de l'influence de QS dans la course. Mais en fait, la course du bloc, je disais QS dans ce temps-là, mais ça aurait pu aussi bien être les Option nationale. Celui-là d'Owen, qui était tout rendu à la Société Saint-Jean-Baptiste, parce que les portes ont été grandes ouvertes par Mario là-bas. Puis moi, j'avais eu comme des craintes un peu. Je voyais le cap sur l'indépendance qui a viré en Oui Québec avec toutes les idées de QS qui avaient influencé. Je voyais Gilbert Paquette là-dedans. Puis j'avais écrit tout un article là-dessus. T'en rappelles-tu? Oui, je me souviens. Mais le chef de file du camp de gauche, Pierre Dubuc, ne ménage aucun effort pour barrer la route à Pécopé, ayant même jusqu'à tirer à boulet rouge sur lui à partir de la tour de Jessica. Ça commence de même. Tu comprends-tu? Bon, puis là, je disais, comme il donne son appui inconditionnel à Martine Ouellette, la réconciliation après la course sera difficile à réaliser advenant une victoire de Pécopé. À qui cela profitera-t-il sinon à QS? OK? Là, j'ai su, moi, que ils vont transporter cette bataille-là dans Pointe-aux-Trembles. Puis que ça va être une guerre sale, là. Tu sais, celui qui dessinait des croix gammées, ces pancartes, là, de Daniel Breton puis de Mme Marois, là, qui avait des petits cœurs, il y avait tous des petits cœurs sur le côte, là. Bon, mais ça va être la même gang qui vont essayer de faire la job de bras Jean-Martin Hassan là-bas, là. Comprends-tu? Moi, ça me met en crise. Je viens enragé, ça me réveille la nuit, ça, moi, tu sais. Puis tu te rappelles-tu, dans la même direction que Pierre Dubuc, il y avait Pierre Serré. Mm-hmm. Pierre Serré, un autre bon citoyen, Citizen Pelado, là, qu'il l'avait appelé, un correct de la gauche, là, un autre parfait de cette gang-là. Puis moi, là, j'avais... Tu sais, faut se rappeler à l'époque les prises de position radicales anti-Pécopé qui étaient venues des positions de Françoise David. Jamais je ne m'assoirais aux côtés de Pierre-Carl Péladeau. Puis elle avait dit plus que ça, elle avait dit jamais un député de QS ne s'assoira de Québec solidaire ne s'assoira à côté de ça. Puis moi, là, ça m'avait pogné au cœur un peu parce que je me disais, tu sais, ça c'était avant les tentatives, tu sais, de Jean-François Lisée d'en faire des alliés. Mais il fallait qu'il fasse ça. Tu sais, tout le monde y a reproché ça à Jean-François Lisée. Mais il fallait qu'il fasse la démonstration publique que le Parti québécois n'était pas le mauvais coucheur dans cette histoire-là. Parce que eux autres, c'est ça qu'ils disaient. Ils disaient, nous autres, on veut bien, c'est le PQ, ils sont trop à Douai, puis ils sont trop ci, puis ils sont trop ça. C'est ça qui m'a fait mal au cœur, moi, là-dedans, dans toute cette histoire-là. Puis après ça, là, il y a eu toute la gang. Denis, attends, quand il y a eu l'aventure de Québec solidaire, en tout cas le rapprochement, est-ce que tu souhaitais qu'il y en ait un ou moi, je souhaitais qu'il n'y en ait pas, moi? Moi, je te dis, ben, j'aurais été en maudit si ça avait marché, cette affaire-là. Ben c'est ça. Écoute, au point de vue... comment qu'on dirait ça? Mathématique. Il y avait eu une stratégie électorale que les membres de Québec solidaire, les candidats de Québec solidaire n'auraient eu aucune chance de passer dans plusieurs comtés. OK, j'aurais pu acheter ça, j'aurais pu vivre avec ça. Il n'aurait pas présenté de candidat-là, puis il aurait enjoint le membre à voter pour le Parti québécois. Ça nous aurait peut-être permis de reprendre le contrôle de notre État. Parce que, rappelle-toi la récente histoire, tu sais, Pierre Falardeau l'avait bien saisi, là. Tu sais, en 2003, quand ils sont venus au monde, qui est au pouvoir depuis que QS est au monde?
c'est qui est au pouvoir depuis la naissance de Québec solidaire? Si on ne dirait pas qu'il y a eu des déçus au Parti québécois. Là. Moi, avec, j'en fais partie. Je n'étais pas un amoureux de Boisclair, là. Tu sais, puis j'ai trouvé que Mme Marois a fait des erreurs stratégiques écœurantes à partir du déclenchement de l'élection. Quand même, c'est elle qui a mis la charte sur la table, c'est elle qui a emmené Pécopé, c'est elle qui l'a emmené Pierre-Carl Péladeau dans ce temps-là, tu sais. Non, il n'y a pas seulement du négatif avec Pauline Marois. Là. Ben non. Puis la charte, ça l'a mobilisé beaucoup de monde. Ça l'a politisé les Jeannettes, là, des madames qui n'avaient jamais été politisées de leur vie. Là, t'sais. Moi, je me souviens qu'il y a quelqu'un qui m'a dit... J'étais en auto avec quelqu'un, puis il me dit... Puis là, ça commençait, là, le débat sur la charte. Rappelle-toi, avant la charte de la laïcité, ça s'appelait la charte des valeurs. Là, cette personne-là me dit « Enfin, un vrai débat au Québec! » Là, on va pouvoir jaser pour le vrai. Ben oui. Pas des ben ouais, pas des peuples. Au début, avant qu'ils sortent dans les médias, la charte avait 71% d'appui chez les francophones. C'est sûr qu'après 3 semaines de campagne médiatique, la charte raciste, puis là, les professeurs d'université, les chefs d'université qui appartiennent aux fédéralistes depuis toujours, tu comprends-tu, ils ont réussi avec toutes leurs sorties à dropper ça autour de 58% à peu près. Mais c'est pas grave, tu sais, il y a eu une mobilisation citoyenne très, très forte là, dans ce temps-là. Puis là, t'as eu le choix, là, entre une charte que tu peux voter, puis un autre que tu t'es fait rentrer dans la gorge par le Canada en 82. Tu comprends-tu? C'est un vrai, vrai challenge, là, au point de vue des statuts. Pour, tu sais, on répond à une loi par une loi. On répond par une charte, par une charte, par une charte. C'est, puis il aurait pu l'enchasser avec la langue française en premier là-dedans, puis tout ça. Mais moi, je veux continuer sur l'article que j'avais écrit dans ce temps-là. J'avais écrit « Mario Beaulieu, chef du Bloc, dont les accointances avec QS, Françoise et Amir sont bien connues. » Puis c'est vrai, puis je me suis toujours demandé pourquoi. Parce que, dans le fond, Françoise David avait combattu la loi 101, puis Mario Beaulieu, je n'ai pas manqué une manifestation avec lui pour le français. Comprends-tu? Puis là, j'avais continué avec ça. J'avais dit, Françoise David et Amir Kadir sont bien connus. Et dans le discours au souper du RPS, a accordé son appui tacite à la seule candidate qui, selon lui, semblait avoir un bon plan. Et il avait nommé Martine Ouellet, qui était là, qui fait partie du Rassemblement pour un pays souverain. On connaît ça. J'assiste aussi à toutes les affaires, le dîner des patriotes à Saint-Ours une fois par année, la fête, le souper des patriotes, puis tout ça. Il avait pris la parole, puis même cette année, au souper des patriotes, où ce que j'ai été encore, Martine Ouellet, c'est elle qui a ouvert les discours. Fait que c'était pas un secret pour personne, ça. Puis quand ils ont tous sorti ensemble, là, Mario, Martine, puis Monsieur Landry, qui ont appuyé Maxime Laporte, je sais pas s'il était, pour pointer au temple, je sais pas s'il était déjà au courant que Jean-Martin Hassan faisait un retour puis qu'il désirait se présenter dans Pointe au temple. Mais pour moi, ça regarde mal, tu sais. Ça sent pas bon, cette affaire-là, là. Tu comprends-tu? J'aime pas ça, moi. Puis c'est comme c'est quoi, là, l'idée? Tu sais, quand les portes de la SHB ont ouvert, puis ils ont ouvert à tout le monde, là, ils ont ouvert à QS, ils ont ouvert à ON, ils ont ouvert à tout ça. Écoute, Françoise David, elle ne savait même pas que c'était qui Hello David. Il y a une salle à son nom, c'était son arrière-arrière-arrière-grand-père, qui avait tout un village qui était pour la SHB, ben il était même pas au courant, tu sais. Fait que, tu sais, ça te donne une idée de l'histoire, tu sais. Puis dans ce petit bout-là, là, j'aimais pas ça, qu'est-ce que je voyais aller. Les rapprochements avec Québec solidaire, ça datait de Véronique Yvon, qui avait eu ce mandat-là d'essayer de faire un pacte dans le futur, puis tout ça, une alliance, tu sais. Puis regarde, la clique qui était... Du côté d'Alexandre Cloutier, il y avait quand même 18 députés qui l'appuyaient, lui, pour quand même là, pour la course à la chefferie. Puis tu sais, Jean-François Lisée est parti dernier, puis il a fini premier. Le plan
du référendum dans un premier mandat, quand tu n'es pas capable de te rendre compte que présentement, on n'a pas le momentum qu'on avait en 95, là, on est loin du rapport de force qu'on avait dans ces années-là, tu t'en vas où avec ton référendum? En plus, c'est Jean Chrétien qui nous le dit dans son livre en 85, La fosse aux lions, que le référendum, même gagnant, il ne l'aura pas reconnu. Puis que le référendum ne mène pas à l'indépendance. On a la plus belle preuve avec la Catalogne. 85%. Oui, mais ça dépend. Ils ont là, fait l'Espagne. Oui, mais Denis, attention. Ils ont fait un fuck you. Attention. Comprends-tu? Oui, mais attention. C'est exactement la même affaire qui arrive. Ne trompe-toi pas, là. Mesdames et messieurs, je vous le dis, celui qui vous parle en ce moment, c'est Denis Ratté, militant. Militant, je dirais. Bon, je pense que ce ne sera pas choqué après moi si je dirais pour et dur. Écoute. Dis ce que tu veux. Ouais, là, t'es un vrai, là, Denis. Là, on dirait moi, tant que je suis pas associé au pur et dur de compreneur, je vais être heureux. Ouais, exactement. Oui, tout à fait. Ouais, non, mais. Attention, Denis. Là, tout dépendant de qui tient le référendum. Si c'est un gars qui s'appelle Jacques Parizeau. Ben, c'est un autre. C'est une fausse prémisse. Ben oui, part du principe que on prend pour acquis que le Canada est un pays démocratique. Oui, ce qui n'est pas le cas. Ouais, laisse-moi juste finir sur un point. Ouais. Parce qu'on va, parce que tu parles de beaucoup de choses. Tu parles de Pointe-aux-Trembles, de référendum 95. Référendum, qu'est-ce qu'on peut faire? Jean Chrétien. Bon. Si c'est. Ça dépend qui tient. L'exercice démocratique, qu'elle soit référendaire ou électorale, une élection, il y en a qui prônent une élection. Une élection référendaire. Mais là, on a présentement, on n'a pas le rapport de force. Exact. Mais mettons, on va se reporter en 95. Le chef du clan du oui, c'est Jacques Parizeau. Puis avec un 52%, lui, là, que Chrétien dise qu'est-ce qu'il veuille, là. Lui, Parizeau, on connaît, il avait protégé l'argent, il avait fait un fonds, il t'a préparé le bonhomme. Il avait probablement l'appui de la France, puis l'appui de bien les pays. Fait que lui, il fonçait, Ça, ça reste encore à prouver. Ouais. Parce que dans les documents que Jean-Claude Pomerleau puis moi, on a regardé, on a trouvé pas dans le Globe and Mail, mais lui, te le dirait, là, moi, je ne me rappelle pas par cœur, mais il y avait un plan pour ne pas reconnaître la victoire du oui. Mais de toute façon, ils l'ont volé. Ils nous l'ont volé. On s'en fout, Denis, de ça, le plan qu'ils ont avec le Canada anglais. On s'en fout. Tu sais, quand même qu'ils déterminent... C'était une victoire morale, mais ça n'emmenait pas... Ça ne menait pas au pays. Ben, moi, je pense que... Celui qui avait la meilleure dynamique, d'après moi, c'est Daniel Johnson. Lui, il avait la dynamique. Lui, le point culminant, il en parlait jamais d'indépendance, mais tous les jours, il reculait la clôture. Puis t'as vu l'État du Québec bâtir dans ce temps-là, Regarde, l'idée au Québec, ça est arrivé par après, mais c'était toutes des affaires qui avaient été mises en place pour que ça se fasse, là. Oui, mais Denis, tu construis ton État, je suis d'accord. Je suis d'accord. Il nommait, puis tu le voyais apparaître. Oh non, mais je suis d'accord. Denis, bâtard, arrête. Parizeau, s'il y avait eu un 52-53%, il fonçait. Ben oui. Il fonçait. Au-delà de ce que Jean Chrétien... Mais on t'a fait voler, qu'est-ce que tu veux faire? Ça dépend. OK. C'est pas sûr que le Canada a réagi. On s'en fout. T'sais, si on l'avait eu, bon, là, ici, on veut pas faire pisser les chiens, puis on va aller à Paris, mais on peut pas revenir là-dessus. Moi, là où je veux en venir comme argument, là-dessus d'une élection ou d'un référendum, moi, c'est peu m'importe, là, l'un ou l'autre, tout dépend de celui qui est chef. Si t'as, disons, Pierre-Marc Johnson qui fait un référendum sur la souveraineté, là, pas sûr, moi. Mais si c'est Jacques Parizeau, je suis plus sûr de mon général. Bon, regarde, là, Jacques Parizeau, il est mort, là. C'est qui que tu vois, là? C'est quoi l'idée? Référendum. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Jean-Claude Pomerleau a essayé de rentrer ça dans la tête des souverainistes depuis à peu près 5 ans, qu'il fallait changer le paradigme, puis oublier ça, le référendum. Le seul qui a eu le courage de le faire, c'est Jean-François Lisée. Il l'a crissé dans les vidanges, puis c'était la bonne affaire à faire, puis ça aurait dû être fait le 4 ans, 5 ans. Un référendum qui ne mène
à nulle part d'autre que dans ta tombe. Ouais, OK, bien... Moi, j'y crois plus au référendum. Bon, écoute, Denis, c'est pas compliqué, on l'a pas, là. Tu m'écoutes de toute façon, on n'a pas le rapport de force. Tu m'écoutes assez on l'a pas. Tu m'écoutes assez souvent, Denis, je suis certain de ça. Tu connais mon opinion sur un point. C'est que les le contrôle de l'État québécois, ça se passe à Québec. Puis tu sais que moi, que si le Québec, puis le Parti québécois prend le pouvoir, puis que la CAQ, n'importe quel parti fait ça, là, rapatrier les impôts québécois à Québec au complet. Là. Seul rapport d'impôt. Ça se fait longtemps que tu me parles de ça. Bon, ben, rapatrier, faire un seul rapport d'impôt, l'indépendance est quasiment faite. Ben oui, mais l'indépendance est quasiment faite. Ouais, mais tu leur arracheras pas 51 milliards sans qu'ils rouspètent un petit peu les bêtes. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi, là. Ah, bon, regarde, c'est pas ça, ça non plus. Moi, mais ce que je veux dire. Il va y avoir une bataille qui va se faire. Ce que je veux dire là-dedans, c'est que le danger que j'avais, moi, dans ce temps-là, c'est qu'il venait de la gauche. De la gauche de OM et de la gauche de QS, les frustrés, là. Ceux-là, là, les déçus de Martine. Martine n'a pas gagné. Gna, gna, gna. Comme des petits bébés, là. Ben, là, ben, regarde. Là, là, regarde. Ils ont rentré, eux autres, par la porte. Puis c'est eux autres qui ont mis Mario Beaulieu, ce qui est. Puis c'est eux autres qui vont faire la guerre sale à Jean-Martin Rossin dans Pointe-aux-35. C'est ça que je veux te dire. Ah, t'as raison. C'est ça qui va arriver. Ah, t'as raison. Je connais du monde du RPS, le haut placé, qui m'ont demandé aujourd'hui si j'avais pas des photos compromettantes, là, de Jean-Martin Rossin avec des intégristes. Du RPS? Et ouais, du monde qui m'ont demandé ça du RPS aujourd'hui, parce qu'ils ont le goût de faire la guerre sale à Jean-Martin Rossin. Je vais te dire, là, qu'est-ce qui se passe en coulisses, c'est bien plus important que ce que tu vois à joute, là. Je vais te dire, moi. Ouais, qu'est-ce qui se passe dans les coulisses, dans les coins de patinoire, le monde qui sont habitués d'aller jouer dans les coins, puis de salir les mains, puis de salir le nez, c'est là que ça va jouer. Puis je serais pas surpris de revoir des croix gammées puis des sales traites dans face des pancartes de Jean-Martin Rossin. Parce que cette petite gang de pouillasses-là qui font passer leur petit intérêt personnel avant le pays. Puis ils sont tous là. Je veux un pays, je veux un pays, je veux un pays. Puis ça brosse les drapeaux du Québec, regarde, qui mangent la marde parce que dans les fêtes, ils ne travaillent pas pour la nation. Ils travaillent pour le petit clic, là. La petite gang de frustrés qui vomit sur le Parti québécois depuis 10 ans. Mais là, Moi, tu parles de... Nécessairement nommer des noms, mais... Non. J'ai pas le goût de salir personne en public, mais je te le dis, la petite gang qui est en arrière de Mario Beaulieu, la petite gang qui est en arrière de Martine, regarde... C'est une gang que ça fait des années qu'ils crachent sur le Parti québécois. Puis il y en a des plus récents. Je peux dire une chose. Oui. Ceux-là qui ont fait des croix gammées là, dans la face des pancartes de Daniel Breton, ils avaient tous les petits cœurs. Les mêmes petits cœurs que tu voyais, tout le monde en parle, là, en arrière des artistes qui passaient là, dans le temps des élections. Hein. Je sais pas si tu t'en rappelles de ça. Là. Non. Ben, j'écoute pas, tout le monde en parle. Je l'écoutais. Quand il faisait passer quelqu'un, il y avait tout dans les spectateurs, toute une petite gang qui affichait fièrement leur petit cœur. Ils votent avec le tête, les parfaits. Là. Depuis qu'ils sont au monde, calice, que c'est le PLQ qui monte. Mais tu te dis plus que ça. Eux autres, ils disent qu'ils défendent les intérêts des pauvres. Mais les pauvres, ils ont jamais été aussi mal pris que QS existe, Chris, c'est toujours le PLQ qui est au pouvoir. Moi, je peux te dire une chose, puis ça, c'est un fait réel. Les trois comtés représentés par Québec solidaire... Ils ont été volés à des comtés. C'est des comtés péquistes avant. Ah ouais. Nicolas Girard, puis tout ça. Non, mais les trois comtés... Puis ça, le Québec solidaire, ça représente les pauvres, là. Ben, c'est les trois comtés où les loyers sont les plus chers au Québec. Ça, je te le dis, là, c'est vrai, là. Ah ouais. Plateau Mont-Royal, tu peux pas y loin un logement, là, de 4,5 en bas de 12 puis 1400 piastres. Ben ouais, mais c'était qui était là avant? C'était pas Daniel Tolpe qui était là? Oui. Bon. Puis Dangouin, c'était pas Nicolas Villard? Oui. Bon, ben on l'aura remarqué, hein? C'était tous des comtés qui appartenaient au Parti québécois. Puis là, ils passent dans les mains de QS, puis eux autres, pour avoir... Ils sont en crise! Que le Parti libéral reste là encore 10 ans, là. Ils sont encore lisses, c'est en autant qu'ils ont un député de plus.
Ah, mais non, mais eux autres, là, ils sont pas mieux que les autres. Ils veulent des jobs politiques. Là, ils ont mis la main sur la ville de Montréal. Projet Montréal, c'est la même gang, ça, là. Ben ouais. On l'a vu quand Valérie Plante a gagné. C'était Amir Kadir qui était dans la salle. La gang du NPD aussi. Ah oui, c'est tout pareil, ça. Non, c'est tous des grands amis, ça. Écoute, quand on était fait de l'affichage contre les libéraux, on s'est fait courir par la police en Gaspésie en 2011. OK? On a checké pour le fun, parce qu'on affichait contre les libéraux, parce que les gars qui avaient fait de l'affichage avaient réussi à changer le vote de bord à Kamouraska, puis là, on faisait la même opération en Gaspésie. Là, on s'informe, c'est qui donc? C'est qui se présente pour QS? Là, quand on s'est informé, on a vu que la fille avait été obligée de demander un congé sans solde à son boss parce que sa job, c'était attaché politique du candidat du NPD. Ça, c'était en 2011. Ça fait que la femme qui se présentait, parce que j'ai pas son nom par cœur là, mes petites recherches, là, tant qu'à checker, là, élection. Quel comté? Dans le comté dans Gaspésie. Ah oui, c'est bien. Bonaventure, tout ça, là. Dans le comté de Bonaventure. C'est Bonaventure, oui, t'as raison. Ben ouais, c'était l'ex-député. C'était l'ex-attaché politique du député du NPD qui était là-bas, avait été obligé de demander un congé sans solde à son boss pour pouvoir se présenter pour QS. Fait que ceux-là qui disent qu'il n'y a pas de lien, là. Regarde, le bureau de François Zanvier de Québec, il était en face du bureau de Boulris. Ça marche la main dans la main. T'as regardé la première affaire qu'a faite Gabriel Nadeau-Dubois. Il s'est fait photographier avec Boulris et Thomas Mulcair. Je pense que le bureau de Gabriel Nadeau-Dubois... L'année passée, François, là, à Paris de la Saint-Jean-Baptiste, il y avait Jean-François Lisée avant de moi. Il y avait la petite Catherine Fournier. Puis il y avait Monique Posé. OK? Puis moi, je me suis approché parce que je suis tannant, j'aime ça. J'aime ça de l'entendre directement de la bouche du cheval. Puis ça, je te parle de ça, 24 juin l'année passée. Je me suis avancé puis j'ai dit, hey, je voulais vous dire, la gang du Bloc, rappelez-vous, Pierre-Carl Péladeau, il a donné son appui, il a pesé de tout son poids pour vous aider à rentrer aux élections fédérales. J'ai dit, j'espère que l'année prochaine, en 2018, vous allez appuyer le Parti québécois. Puis là, ils se sont tous envirés, puis ils m'ont dit, il faudrait que tu convainques Martine. Si on parle de ça, avant la crise, là, avant les crises qu'il y a là, je te parle de ça l'été passé. À qui tu parlais? À Parade de la Saint-Jean-Baptiste. Ouais, mais à qui tu parlais? Ben, je parlais à Monique Posé, puis la gang du Bloc qui était là. Okay. Puis la petite Catherine Fournier qui avait fait un petit tour au Bloc, puis qui était revenue au Parti québécois, puis qui s'était fait élire dans... C'est Montarville, je pense. Ouais. En tout cas, ils se sont envirés, puis ils m'ont regardé dans les yeux, puis ils m'ont dit, ben là, il faudrait que tu convainques Martine. Puis ça, là, c'était le 24 juin 2017. Ça veut dire que cette game-là, là, ça fait longtemps que ça couvre. Quand t'as un abcès, là, quand t'as un bouton d'en face, il faut que tu le fasses péter, puis que tu fasses sortir le pus calice. Tu comprends-tu? C'est le même. Moi, je suis d'accord avec toi. Parce que quand tu dis, hey, je chicane en public, ben, c'est parce que là, il y a un abcès pour faire sortir le pus. Ça fait longtemps, Nasty, que ça joue du coup dans la coulisse. Ouais. Il y a un texte, de Robert Barbery-Gervais qui parle. Ben oui. Il décrit pas mal bien ça, là. Puis on se rappellera. Il décrit pas mal ça, faut pas tout jeter ça dans le vidange. Qu'est-ce que ce gars-là dit? Il est rendu à quel âge, Robert? Il est rendu à 71 ou avec? Ben, j'ai parlé il y a quelques mois, puis c'était un retraité. Non, mais ce que je veux te dire, rappelle-toi, puis je pense que Carl Brochu est sur l'autre bord, hein? Es-tu là, Carl? Il y a quelqu'un sur l'autre ligne, ça se peut-tu? Ah, ça se peut, là. Je sais pas, moi, je l'entends pas. Je sais quelqu'un sur l'autre ligne, mais en tout cas... En tout cas, je vais te dire en affaire. Non, mais juste te dire, Denis, attends une minute. Ouais. En 2003, quand Bernard Landry a quitté les lieux, a quitté la chefferie du PQ. Oui. Je les ai vus, les listes à la Société Saint-Jean-Baptiste qui travaillaient contre le PQ. Fait que, tu sais, les manigances en dessous de la couverte, quand tu dis tantôt là, que ça joue dur dans les coins, là... Ben oui. Il y a une vieille salle qui joue en arrière de la ça, Société là. Saint-Jean-Baptiste, les Dubuc et compagnie, là, ça venait voter tout pour Dorion, ça. Quand Jules Réaume se présentait, là, puis qu'il voulait brosser la cabane un peu...
Dorion hey, puis Beaulieu, juste, certains... juste dans ce temps-là, là, moi, te le dire, c'était compliqué en Estie. Juste pour que la société Saint-Jean-Baptiste appuie du bout des lèvres la charte, 4 mois après qu'elle soit sortie, il a fallu aller chercher Gilles Rion chez eux parce qu'il n'y avait pas le nombre de votes nécessaires. Il était partagé, ça prenait un vote de plus. Puis lui, Gilles Rion, vu qu'il était membre à vie, membre de l'horaire, puis tout ça, de la société, c'est lui qui a fait pencher la balance sur notre bord, tu sais. Ouais, la fin de semaine avant qu'il meure, là, il était supposé de faire une émission de radio sur Québec solidaire. Il avait tout préparé, l'artillerie lourde. Mais il n'a pas eu le temps de tirer s'il est décédé. Ah oui, j'avais parlé. Un grand patriote. Ah, mais j'avais parlé. Tu te souviens, c'était ici, à Radio Infocité, qui était supposé de faire. Il est mort au mois de janvier. Et puis, il reste une chose, puis tu as tout à fait raison. C'était au Conseil général de la Société Saint-Jean-Baptiste, ils sont 15 membres. Gilles, il est ancien président, donc il est président de facto, presque en tout cas, et parce qu'il n'y en a pas beaucoup d'anciens présidents. Là. Il faut qu'il y ait le tiers du Conseil général composé d'anciens présidents. Et effectivement, tu as tout à fait raison. Jean Dorion était contre la charte. La madame qui avait gardé sa fille, elle était voilée. Puis il broyait à TV, là, voilà. Et tu sais, puis Gilles Rion me disait souvent, dans les années 90, François, la Société Saint-Jean-Baptiste, ça forme bien des députés, ça. Puis il avait raison. Ça a formé Jean Drapeau comme maire de Montréal. Il était vice-président. Moi, j'ai été vice-président de la Société Saint-Jean-Baptiste. Ça ne m'est jamais venu à l'idée de me présenter comme député. Ça m'intéresse pas. Moi, j'étais un militant un peu comme toi. Il y en a qui sont rentrés là puis ça les intéressait déjà. Maxime. Lui, son but dans la vie, c'est peut-être d'être premier ministre. Mario Beaulieu, lui, il a voulu être chef, mais il s'est rendu compte. Au moins, il faut lui donner de quoi. Il a démissionné pour. Il a fait passer de parti avant lui. Mais il est toujours d'un parage. Là, 2 ans, quand il a vu qu'il s'en allait nulle part là, avec ça, là, il risquait d'être éradiqué de la carte, le bloc. Grâce à Gilles Duceppe, qui a fait une crise de belle campagne en passant. Là. Ouais. Hein? Ça a été lui qui a mené tous les débats. Il connaissait tous les dossiers par cœur, par garde. L'autre, il aurait eu l'air d'un sky lolo à côté. Indépendance. On veut un pays, Regarde, c'est pas des incantations quand tu veux un pays. Faut que tu additionnes au lieu de soustraire, puis faut que tu multiplies au lieu de diviser. C'est pas compliqué, là. Ça prend pas une maîtrise en politique pour comprendre ça, là. Calice, tu sais. Et puis là, quand j'ai vu, moi, les seuls anéties de ce monde, avec Catherine Dorion, qui bichait le Parti québécois dans le temps qu'il était pour OM, puis là, ça sont en allés avec QS, les amoureux de la liberté, la liberté conditionnelle à tout craint. Oui, mais le pays, mais à condition que, puis quelle sorte de pays, puis que... Regarde, t'en rappelles pas quand Foglia avait sorti, quand PKP a pogné le contrôle du Parti québécois. Foglia de la presse, à peu près un an avant sa retraite, il avait sorti puis il avait dit, regarde, si jamais on a une dernière chance là de faire le pays, mon sang de souverainiste, là, il a fait 3 tours, puis hey, on n'en remettra pas la question de Gagnon puis de Vallière. Ouais, mais quelle sorte de pays? Regarde, mange de la marde, Chris. Si tu mets des conditions au pays, t'es pas un progressiste, t'es un trou de cul, c'est ça qu'il disait Falardeau. Faut s'en rappeler de ces affaires-là, de ces déclarations-là. Là, aujourd'hui, nous crisse Gabriel Nadeau-Dubois dans la gorge, puis Manon Massé, avec les toilettes transgenres, puis regarde, ça fait des gros projets de pays, ça, des toilettes transgenres, OK? Puis eux autres, si il n'y aurait pas eu de la parenté, puis il n'y aurait pas eu des intérêts communs avec Power Corporation, la presse, puis Radio-Canada, parce que Radio-Canada, Jean Pelletier, on le sait, est-ce que c'est qui, là? L'ex-mari d'Hélène David qui est en charge des grands reportages, puis c'est le recruteur d'Alain Gravel, puis c'était lui qui était directeur d'information à Radio-Canada. Fait qu'à tous les coups que QS lâchait un pet de travers un dimanche après-midi,
les caméras, tous les micros aussi du Québec étaient dessus. T'sais, ça m'enrage, moi, que ça soit pas dit, ces affaires-là. Hein, Jean Pelletier, le fils de Gérard, des trois colombes à Trudeau, qui est en charge de l'information Radio-Canada. Comme le film d'Elvis Graton 3, Calis. Des fois, on croirait entendre Falardeau quand tu parles, parce que tu dis que... Si j'avais pas de dossier judiciaire, je me présenterais, moi, Chris. Ouais. Oui, mais ce qu'il faut, comprendre là-dedans, c'est que... c'est ma conjointe qui me disait ça tantôt. Quand elle a vu un texte, je pense, de comment il s'appelle? Patrick Bourgeois. Patrick Bourgeois qui disait que... Ben, il a mangé, il s'est fait couper sa subvention par le Bloc, il a commencé à bitcher sur Gilles Duceppe, puis quand, ça fait longtemps, là, Gilles Duceppe, ça fait longtemps aussi qu'il l'a guis, puis Patrick Bourgeois, dans le temps du réseau de résistance du Québécois, là, écoute, je suis un membre officier d'eux autres, moi. Ouais, mais ouais. Moi, ce que Marie me disait, c'est que Patrick Bourgeois dit qu'il est allé manger avec Beaulieu, puis que Beaulieu, il aurait dit que t'es trop proche de Falardeau, fait que on peut pas te prendre comme ouais, candidat. Ouais. Fait que c'est ça, toujours des affaires, là, hein? Mario, c'est parce que c'est un mou, là, quand c'est le temps du cash, puis qu'il avait peur de perdre des subventions, puis des affaires de même, là, pour la Société Jean-Baptiste. Mais, tu sais, le temps que le réseau de résistance du Québécois, là, puis Patrick, là, quand il tirait sur Jean Charest, il tirait à plomb en esti. Il faut lui donner ça. C'est un méchant sniper, là. OK? Il m'a dit rien à faire. T'es rien, là. Puis Bérubé peut aller se rhabiller comparé à lui. Il tire juste en crise le salaire secret de Jean Charest, les prêtres non SNC-Lavalin. Il a tout fait sortir les ententes secrètes entre Radio-Canada puis la presse. Ah non, c'est tout le cas. T'entends pas le bon terme. C'était tout un sniper. Faut lui donner ça. C'était tout un sniper. Puis quand il a viré son fusil puis il a commencé à tirer sur le Bloc, puis il a commencé à tirer sur le Parti québécois, gars, il est devenu... Ben, c'était un bon sniper. Il est devenu une nuisance. Puis là, il est rendu à Québec solidaire, je pense. Je sais plus, là. Ben, c'est sûr, eux autres, les seuls qui acceptaient, qui ont gardé au RRQ, les seuls qui ont gardé, c'est ceux-là qui appuyaient QS ou ON. Toutes les têtes à claque comme moi, là, les titlins, là, les deux de pique, là, qui avaient décidé d'appuyer le Parti québécois parce qu'après 10 ans de vol depuis de contrôle de notre État par Jean Charest, pis malgré la commission Charbonneau pis tout ça, ben c'est tous les Sky Lolo comme moi là, qui ont dit, nous autres on va se tenir debout, puis regarde, bannissez-nous du RRQ, on va voter pour le Parti québécois quand même. Mais ben, c'est plate, hein, mais c'est grâce à nous autres qu'il y a eu un petit 14 mois de pénitence pour le PLQ Calis. Hein? Depuis 15 ans, là, ils ont été 14 mois en pénitence, puis c'est grâce à des têtes d'athlètes comme la mienne, là, que ça s'est fait. Ceux-là qui ont resté fidèles au Parti québécois. Tu comprends-tu? Ah non, mais écoute, c'est un conseil. Je peux me tromper, oui, je peux me tromper. Mais tu sais, regarde, ça fait 28 ans que j'ai rien pris, moi, là. Pas de dope, pas de boisson, pas d'alcool. Ça fait que Jésus est clair en tabarnak. Je suis pas mal plus dur à mélanger que j'ai 20 ans, là. Mmh. 28 ans? Ça fait 28 ans que j'ai rien consommé. Fait que moi, là, je suis pas du genre mélangé, genre. Comprends-tu? Je suis capable de t'appeler monsieur, je suis capable d'appeler ta femme madame, puis je me mettrai pas à t'appeler chose. Parce que là, c'est pas correct. Ben c'est ça le plan. Tu sais, je disais à quelqu'un aujourd'hui, je dis, garde, nous, là, monsieur... On est en même ligne que Trudeau, Calis. Ouais, mais monsieur, puis madame, puis parent numéro un, parent numéro deux, je garde, ben ouais. Moi, j'attire même pas d'importance à ça. C'était un peu Jean-Jacques Nantel qui m'a fait réfléchir là-dessus. Il a pas parlé longtemps, mais aussitôt qu'il a dit une phrase, je vais catcher tout de suite. C'était un peu comme dire... Faut empêcher de dire aux gens Joyeux Noël. Ben, mange donc de la merde. Le Joyeux Noël, finissant, tu peux pas enlever ça. C'est un débat à part, mais sur le genre, là, écoute, ben, pour ça. Accommoder 0.001 demi%, là, de la population, même pas, là, un quart d'un demi pour cent. Mais là, ils vont enlever le mot père, puis le mot père, le mot mère, puis le mot. Ben, c'est père. Ça le combat de Québec solidaire. Hein? C'est ça le combat de Québec solidaire. Ben oui, c'est ça que je te dis. Si tu observes ça le moindrement comme il faut, les liens,
les liens multiculturalistes, la ligne multiculturaliste de Trudeau, l'ouverture des frontières, l'open bar pour les immigrés, c'est le même discours que Québec solidaire. L'affaire des gens pis des toilettes trans, là, c'est la même affaire que le discours à Trudeau. Fait que Trudeau pis Québec solidaire, c'est eux autres qui ont le plus d'affinités. Les autres, là, nous autres, si, regarde, hein, bientôt, là, le petit bébé va être dans les bras de son parent, là, pis là, il va dire, moi, j'aime mon papa pis j'aime ma maman, pis l'autre, il va arriver, là, pis il va le traiter de fasciste. Le petit bébé de 5 ans. Cette semaine, j'ai entendu l'argument disant que ouais. Ouais, c'est bon ça, il faut enlever ça, père puis mère, papa puis maman, là, parce que nous autres, qu'on a un enfant puis un couple de lesbiennes, on va dire quoi? Notre enfant, il va dire quoi à l'école? C'est ça. Mais c'est à l'école, là. Mais écoute, bien, là. Ton ami, elle va lui demander, si tu es un petit garçon, une petite fille, on le sait pas, on va attendre qu'il ait 3 ans, il va pouvoir nous le dire. Ouais. Regarde, c'est ça la mentalité. C'est jusque là que ça va, cette folie-là. Moi, quand je vois, j'ai dit depuis une couple d'années, j'ai dit, c'est qui ça, ce gars-là, Solzhenitsyn, pour être chef d'option nationale? Il a fait quoi dans la vie, ce gars-là, pour se retrouver là? Ben ouais, c'est ben, il y a eu l'appui de Catherine Dorion à Québec, c'était un bon gars, je sais pas trop quoi, là. J'ai le professeur Tournesol, là, c'est le dernier qui est arrivé dans les aventures de Tintin. Non, mais puis tu regardes, tu sais, on a souvent dit, là, je sais pas, s'il y a quelqu'un sur l'autre ligne, faites-vous s'entendre, parce que moi, je l'ai fait tantôt, là, puis ça parlait pas. Fait que là, en tout cas, là, c'est juste pour me défouler, je ne peux pas monter de l'aide. Non, mais c'est, Denis, mais ce que je veux dire, ça fait longtemps là, que je l'ai sur le cœur. Moi, ça me réveille la nuit, les histoires. Quand le Québec va mal, j'ai de la misère à dormir la nuit. Je me réveille à 3h du matin avec un volcan dans l'estomac. OK, mais là, Mario Beaulieu a retiré quasiment son appui à Martine Ouellette. C'est à peu près ça. Ben oui. Il va plier. C'est sûr, si toute la gang, ils disent, regarde, sinon, on va demander un vote sur toi aussi, le parfum. Qu'est-ce que tu penses qu'il va faire? Il va s'écraser comme un petit poulet. Tu sais? Le parfait. Ça fait longtemps qu'il en mange du filet mignon, lui-là. Là. OK, mais... OK. Pierre-Yves Arpin me dit, tu peux dire en ondes, vous avez raison à propos de la SSJB, j'ai essayé de promouvoir les vins québécois qu'ils en aient à leur réception, et Beaulieu ne m'a jamais aidé, ça aurait pu être super, mais je suis jamais étonné. Tu as juste à écouter Jean-Pierre Durand. Jean-Pierre Durand, c'est un vieux indépendantiste qui était au Parti communiste. Tu sais, ça en est un vrai de gauche, comme André Ferretti, tu sais. Puis à un moment donné, c'est parce que quand tu devenais membre de Québec, du Parti communiste du Québec, automatiquement, tu étais membre de QS. Comment-tu? C'était fait dans la forme. Pas des vrais membres. C'est Jean-Pierre qui a changé ça quand il s'est aperçu qu'il n'entendait jamais parler d'indépendance. Il entendait parler tout le temps contre le Parti québécois. Puis ouais. Gabriel Nadeau-Dubois, il est sorti à Radio-Canada pour le dire. Hein? Ah, mais là, le Bloc québécois, là, si elle s'en va, parce que moi, je lui donne pas fin de semaine. Là, Regarde, je l'ai rencontré hier, Martine. J'ai pas osé y parler. J'ai juste demandé, Martine, tu t'en rappelles-tu de moi? Elle m'a dit, ben oui. Mais là, elle avait pas de l'air sûre, parce que moi, avec, quand je rencontre beaucoup de monde, il y a du monde qui vient de me parler. Puis, ils me parlent comme si je les connaîtrais, puis moi, je les replace pas pantoute, puis là, je les laisse parler, puis je fais semblant. mais ça avait l'air de même. Mais là, je me suis penché, puis j'ai dit, Martine, je t'ai emmené avec moi écraser 100 piastres de pinotes juste en avant du bureau du ministre des Richesses naturelles de Jean Charest. Ah, elle dit, oui, je me rappelle, parce qu'on avait filmé l'opération. Dans ce temps-là, pour le plan Nord, là, je n'avais crissé un autre 100 piastres de pelule de pinottes dans les airs, là, tu sais. Mm. Je dis, regarde, c'est ça que ça nous donne, votre plan Nord, des pinottes, c'est ça qu'on va récolter, nous autres, ici, là. Ben, elle s'en rappelait. Mais hier, ouais, soirée sur l'Arabie Saoudite, une conférence, un genre de colloque, avec Jemina Velhabib, Ansaf Badawi. Puis Ansaf Badawi, nous autres, quand ils nous ont mis dehors, là, le RR Cube, ils nous ont montré gentiment la porte. On a formé les Insoumis avec Sylvain. Puis avec Sylvain, là, un groupe qu'on était traité d'extrême droite par Radio-Canada, puis de raciste par les antifas, puis tout ça. Mais son premier Noël qu'elle a passé, elle, Ansaf avec ses enfants, et ça, c'est moi qui ai mis son chapeau. En tête, un chapeau bleu avec une fleur d'alice dessus, puis on s'était
sponsoriser, même si on était tout pauvre comme Job, pour y acheter des présents pour son premier Noël au Québec. OK? Puis on se faisait traiter de raciste par Radio-Canada. Les insoumis, les racistes. Puis ça, c'est toute la gang à Frank Plouffe, puis Carlo Mosti, puis toute cette petite gang-là, Carl Content, puis toute la gang, ils nous ont fichés, là, puis notre photo, là, moi et Péréal, puis tout ça, là, tout celui qui faisait de l'action politique, on était tous fichés comme personne à abattre, comme étant des fascistes. Et, regarde, on l'a accueilli, nous autres, avant qu'elle serve de récupération pour tous les partis politiques, là, c'est nous autres qui l'avaient accueilli. Puis elle était là hier, puis elle aussi s'en rappelait du chapeau. Tu sais? Puis Jamila était tout le temps contente de me voir. Tu sais, Jamila, ben la Bible, là, elle milite pour la laïcité, là. Regarde, on s'entend-tu que ceux-là qui baissent le cul des babouches puis des voilés intégrales, là, c'est pas leur ami, là. Hein? Si on en sûr, ben ça, là, c'est Québec solidaire puis Trudeau, là, ils l'aiment pas, Jamila, là. Nous autres, on l'aime. Tu comprends-tu? Oui, oui, mais il reste une chose, c'est que à partir de maintenant, il y a sept démissionnaires, sept souverainistes, ben ouais, hein? C'est ben des ouais. souverainistes, ces gars-là, puis ces filles-là, bien posées. C'est pas vrai que c'est des fédéralistes. Voyons donc. Eux autres, au contraire, j'en connais, moi, là-dedans, qui ont travaillé, là, qui ont travaillé pour les partiels dans Saint-Jérôme, si, là, puis ils ont travaillé, puis eux autres, ils appuyaient le PQ. Ils ont pas dit, t'en parleras à Martine. OK? Eux autres, ils travaillaient pour le PQ. Il travaillait pour le Parti québécois parce que Christ, c'est notre dernière chance 2018 de reprendre le contrôle de notre État. Hein? Ouais, mais, tu sais, quand tu regardes la lumière, puis je te lis souvent, Denis, puis je sais que tu critiques un peu ce que je fais parce que je laisse parler Max Bradette. Ben, c'est parce que, ben, ouais, tu laisses parler du monde qui bitch qu'on ne pas. Ben, oui, mais. Comme si on n'avait pas assez. Oui, mais. On n'a pas assez avec Radio-Canada puis les radios de Québec, on n'a pas assez avec la joute, on n'a pas assez avec tous ces petits chiens-là, toute la gang de Québec solidaire qui bitch à journée longue aux options nationales. Oui, mais écoute bien, là, Denis, de Jean-Claude Pomerleau. On est de tout contre nous autres. Jean-Claude Pomerleau, là, il est souvent avec Richard Lehaye, puis Richard Lehaye rentre souvent dans le pic. Ah ouais, puis Richard Lehaye, là, c'est qui le ramène? C'est Jean-Claude qui le ramène. Parce que si tu le laisses aller tout seul, lui, son fusil s'enligne naturellement sur le Parti québécois depuis 1995. C'est le seul qui le ramenait, qui réussissait à le ramener un peu, là, c'était Jean-Claude. Puis là, depuis qu'il s'est tassé un peu, ben regarde, le naturel revient au galop. Comment tu sais, c'est sa tendance naturelle. Ça fait que ça, c'est nos gros indépendantistes qu'on a ici, là. Les solides, là, les têtes, là, les intellectuels, là, regarde. Quand ils ont les 5 minutes pour donner un petit coup de masse à la tête, c'est du Parti québécois, c'est ça qu'ils font. Ouais, mais. Fait que ça, oh, c'est un mondialiste, pis c'est ainsi. Ben, regarde, là. C'est parce que moi, là, je vais voter pour le Parti québécois. C'est pas parce que je suis genre d'os 200% du discours de l'Élysée, mais tabarnak, on s'entend-tu que c'est la seule crise de gang pro-Québec qui sont là. La CAQ, là, tu regardes, t'enlèves le PLQ de là pour mettre la CAQ, là, c'est comme t'enlèves l'enveloppe à Desmarais, puis tu la redonnes à Desmarais. C'est ça, la CAQ, OK? C'est juste les têtes devant la caméra qui changent. Ils ont le même réseau d'intérêts, exactement, la clique à Charles Sirois, puis toute cette gang-là, tu sais. Ah non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et tu... Parce que là, on s'en va dans ouais, attends, là. Oui, mais ben, attends une minute, Denis, là. Là, tu sais, je te parle de Max Bradette, puis là, toi, ce que tu fais depuis le début, tu parles contre la petite gang d'indépendantistes qui se battent entre eux autres, mais tu contribues un peu à ce soir-là à le faire. Tu démystifies des choses, puis je suis bien content que tu le fasses parce que il y a du vrai dans ce que tu dis. Tu sais, je suis content que tu dises... puis tu mets le doigt sur le bobo. Parce que le doigt, il est vraiment sur le bobo. Là. Tu parles de Beaulieu qui est mou. Ben, c'est pas lui, là. Ouais, c'est pas seulement lui. La gang qui a laissé rentrer en arrière de lui, tu sais, qui crachait sur le Parti québécois depuis 10 ans, ça fait pas des enfants forts. Ben, ça, moi, là, je m'excuse, mais Gilles Réaume se battait. Puis j'étais avec. C'est un vrai, ça. Écoute, Denis, là. J'ai été l'attaché de presse de Gilles pendant 6 à 8 ans, 7-8 ans. Puis on était critiqué le Parti québécois, lui. Oui, je le sais, mais à un moment donné, il a arrêté.
Oui, il a arrêté. Il a parti après 95, il a arrêté. Puis il reste que. On est rendu avec 8 partis indépendantistes. On s'en va où avec ça? Ouais, mais, Explique-moi ça comme faux, là, que je comprenne. Là. Ça doit être moi qui ai mélangé. Là. Explique-moi ça. On s'en va où avec nos 8 partis indépendantistes? Bon, Gilles Réaume était à Société Saint-Jean-Baptiste, j'étais avec lui. Puis même que j'étais à. Ben, quand je dis que j'étais avant lui, là, quand il est revenu, c'est parce qu'il y a eu la première phase de Gilles Réaume dans les années 70. 80, là. Mais après ça, il y a eu une pause, puis il est revenu dans les années 95-2000. Ben moi, je vais se présenter, puis lui, il se présentait pas encore. Il me dit, vas-y, puis on va voir comment ça file. Ben, j'ai passé au premier tour, puis plus fort, puis les autres, ça leur prenait tous deux tours. Mais Gilles me disait, vas-y, puis j'étais président de section, il a fait le même. Mario Beaulieu était là avec Dorion, puis il faisait sortir les pieds du Buc dans la section de Rosemont, qu'on appelle René Lévesque, puis il faisait sortir tout l'autre journal, puis les clics de gauche, ils venaient tous voter pour Dorion contre Gilles, puis moi. Et puis je les voyais aller, puis je les voyais, puis quand Bernard Landry, puis j'ai pas eu le temps de te dire tantôt, là, mais tu le sais, tu connais l'histoire probablement autant que moi, quand il a quitté en 2003, puis il y a eu un vote de confiance sur Bernard Landry. Ouais, 76%, il a décidé de s'en aller. Ouais, ben, là, il manquait à peu près une trentaine, quarantaine de votes pour avoir 80, puis ça, avec ça, il restait. Ben, les téléphones se sont faits contre Bernard Landry à Société Saint-Jean-Baptiste. On a pogné le monde en train de faire des téléphones, un peu comme dans l'Ette là, que tu entends de Robert, de Réal Mathieu, qui parle là, cette semaine. Là, que, tu l'as lu sûrement, la lettre de Réal, cette semaine, qui a passé? Non, là, j'ai pas lu ça, non. Ah, il dit qu'il a vu des lettres, là, des téléphones se faire au Bloc québécois pour la Société Saint-Jean-Baptiste avec les gens d'Option nationale. Mais moi, je peux te dire, j'ai vu la même opération en 2003 pour débarquer Bernard Landry. Qu'est-ce qu'on a eu après Bernard Landry? On a eu André Boisclair, un des pires scores que le PQ a eu. Mario Beaulieu a débarqué Landry pour Boisclair. Parce que les indépendantistes, c'est comme un art qu'ils ont développé de se tirer dans le pied. Le seul problème que j'ai, moi, c'est parce qu'ils ont le pied dans la bourse la moitié du temps. Fait que quand tu tires un coup de douce dans le pied, puis t'as le pied dans la douche ou dans la bourse, sais-tu qu'est-ce qui se passe avec ta cervelle? Regarde, sont mélangés, je comprends. Bon, moi, je peux te dire une chose. Là, je le sais plus, là, il y a le parti 51, là. Ah, ça, c'est... Non, mais tu vois, là, il y a des gens, là, qui sont le parti 51, puis d'autres que je vois sur les réseaux sociaux. Hey, moi, je vais militer contre le ministère de des Finances, parce que je veux pas payer d'impôts. Au Québec, là, puis c'est illégal de payer de l'écrit. Des Ulus Berlus. Ça, c'est Jean-Claude Pomerleau qui le dit. Les Québécois, ils ont un problème avec la définition de la politique. C'est quoi la politique? C'est une question d'intérêt. Moi, je te le dis, ça fait longtemps, tabarnak, que le PLQ a compris ça, puis ils sont pas trop mélangés, eux autres. OK? Nous autres, là, on pense que c'est une question d'idée. Une idée, un parti. Deux idées, deux partis. Trois idées, trois partis. Regarde, c'est un esti de problème qu'on a, là. Tu sais, on pense qu'il y a juste des analystes qui ont de la misère à décortiquer trois pages et à faire un résumé. Ouais. C'est pas ça, l'idée, là. L'idée, c'est que, regarde, les analphabètes politiques, là, ils écoutent deux émissions à télévision, puis ils pensent sur le bord de la CAQ, puis là, ils jasent avec un autre, puis là, ils sont rendus sur le bord du Parti 51, puis là, ils jasent avec un autre, puis ils sont rendus d'un citoyen au pouvoir. Après ça, ils vont rencontrer des constitutionnalistes, là. Regarde, ils vont être 300. Tu sais, la fameuse constitution par le peuple, pour le peuple, et ouais, donc le peuple, là. Bon, mais ça, là, on va te dire, il n'y a rien de pire que ça, là. Tu connais un document de même qu'il faut qu'il soit écrit par des vrais constitutionnalistes juridiques qui connaissent ça, la loi internationale et tout. Tu mets ça dans les mains du bon peuple, là, puis dans 100 ans, ils vont encore s'estimer pour une virgule qui n'est pas en bonne place, là. Tu n'en reverras jamais la couleur de ça. Regarde, là. Ben, moi, je peux dire... Il y en a un projet de constitution, puis c'est Jean-François Lisée qui l'a. OK? Ils ont juste à aller voir, le cliquer... Puis Jean-François Lisée, une constitution, puis on se bat pour la loi 99, puis ouais, on se bat pour... Tu sais, les vrais combats sont là, dans le changement de statut d'un État.
faut que tu arrêtes de dormir avec la porte à un moment donné. Ça se fera pas avec des petits bouts de papier que tu comptes. Ah, 51 plus 50 plus 1, youpi, on a un pays. Mais quelle aberration! Ça a été vendu, cette idée-là, par trois bonzes. Trois bonzes d'Ottawa à Claude Morin. La pipe à Morin a rentré ça dans la tête à René Lévesque, puis René Lévesque nous l'a rentré dans la tête. Puis après ça, ça, on a eu un crise de coup, là, quand on l'a perdu. Comme récompense, on a eu le rapatriement de la Constitution. Puis après ça, on a repris toute la foire encore avec Parizeau. Puis on a encore parti de la mauvaise prémisse. Le Canada est un pays démocratique, donc ils vont respecter. Ben non, il ne l'aurait pas respecté. Il ne l'aurait même pas respecté en 80. Fait qu'il ne l'aurait pas respecté c'est non ça, plus. Denis, c'est Jean Chrétien qui l'écrit, ça. Dans la fosse aux lions, tu sais. Oui, mais c'est pour ça, Denis. La politique de l'État du Québec, là, il dit, était très, très, très dangereuse pour le Canada dans le temps de Jalil Johnson puis de Jean Lesage. Tu sais? Tu sais, moi, je peux te dire une chose, Denis. L'entrevue que Pierre Falardeau a faite à Richard Martineau quand ils sont au Café Chérié en train de... Ben oui. Falardeau, il dit que... Il venait juste de venir au monde, là. Québec solidaire venait juste de venir au monde. Solidaire. Si tu veux m'en faire de la politique, forme un mouvement, fais un groupe de pression. C'est ça aussi, faire de la politique. Ben ce qu'on fait là actuellement... Non, ça vient de où, ça, Québec solidaire, là? Ils l'ont dit, là. Alternative socialiste. Alternative socialiste, ben c'est toute la gang de jeunes gauchistes qui faisaient partie du RRQ. Ils ont tous eu un mandat, une consigne de Patrick Bourgeois puis de Carlo Mossi, tout ça, parce que Jean-Claude leur avait dit, mais Chris, vous n'avez pas de discipline, vous n'avez pas aucune doctrine politique, puis ça, puis là, ils trouvaient donc ça grave, le mot doctrine, oh non! Tu sais, regarde, ils ont enjoint à aller suivre la petite formation qu'ils se donnaient à l'UQAM, là, à la fabrique dans on le sait, bois, là, on le sait, l'UQAM, Denis, là. Denis, okay. On sait très ça, bien. On ça coûtait 5$. Oui, mais on sait très bien que... Ça coûtait 5$ pour la fin de semaine. Pour prendre le contrôle... De là, ouais. Ils ont tous sorti de là des petits antifas. À cette heure, ils battent des patriotes. Hein? C'est ça que ça fait des antifas dans la vie. Ça bat des patriotes. Puis on sait que Mario Beaulieu avec Jean Dorion, parce que là, ils se parlent plus ces deux-là, mais ils ont été longtemps ensemble pour prendre le contrôle de la Société Saint-Jean-Baptiste. Ben ouais. Pourquoi? Vous voyez que vous me dites, ouais, mais la Société Saint-Jean-Baptiste, c'est un groupe de petits vieux de 80, moyenne de 80 ans passés, là. Mais c'est pas seulement que ça, là. C'est ce que ça peut. C'est l'historique que ça a. Et ça a une maison, 82 West Sherbrooke, une maudite bonne maison. On a été souvent tous les deux ensemble c'est dedans. C'est un monument historique. Puis c'est sur 5 étages. C'est des maudits beaux bureaux, mauditement bien placés, à côté dans le centre-ville de Montréal. Tu peux mettre une centrale téléphonique là. Et ils s'en sont servis souvent. Et quand on regarde, pour prendre le contrôle. J'ai fait l'enfer, moi, là-bas, des appels pour les. Pour les manifestations pour le français. Bon, ben, c'est l'endroit idéal, tu sais. Puis là, Dorion et Beaulieu ont pris le contrôle de ça. Parce que, moi, qu'est-ce que tu veux, j'ai 3 enfants, puis faut que je travaille, tandis que Dorion était payé à temps plein, Beaulieu allait le soir, puis quand c'était pas payé, pour faire. Il aurait pu faire de quoi parce qu'il y avait un job à temps plein là, puis il travaillait quasiment pour qu'on compte nous autres, là. Puis tout ça pour dire que. Il a fallu qu'ils s'associent à du monde, Beaulieu et Dorion, pour prendre le contrôle de Saint-Jean-Baptiste. Ben ça, oui. C'est s'associer sur toutes sortes de monde. Puis là, il y en a un qui s'appelle Pierre Dubuc, de l'autre journal, qui a fondé l'Union bolchevique du Canada. Il en est devenu le chef. C'est Réal qui parle de ça, là. Il a publié un magazine appelé Révolutionnaire et prolétarienne. Les anciens des marxistes-léninistes. Tu sais, puis... Là, ça tient un journal depuis 25-30 ans, payé par la CSN, la FTQ, le syndicat des professeurs. La CSN, c'est peinturé journal bord en bord. Ben oui, c'est les syndicats des professeurs, la FTQ, les syndicats qui, ils disent qu'ils sont bien souverainistes le temps de le dire, là, le temps de... Ben de là, c'est de... pas vrai, ça. La FTQ, là, ils ont arrêté depuis le Parti québécois, depuis des années. On entend Michel Arsenault dans une conversation... La commission Charbonneau têtait le Charest pour avoir une place sur le conseil d'administration de Power Corporation. Calice, qu'est-ce que tu veux de plus, si? Tu sais, regarde, là. Première activité de Jean Charest. Ils ne pas plus, là, regarde. Hey, Denis. Les mauvais plis sont pris, regarde. Tous ceux-là qui ont parlé, là, Ken Pereira,
Puis tout le... Parce que les caméras de la commission charbonneuse, là, ils se sont déplacés. Ils étaient supposés, selon Jacques Duchesneau, d'éclairer le ministère des Transports du Québec et Hydro-Québec. Les deux plus gros donneurs d'ouvrages. Eux autres, à eux deux, là, c'est 8 400 millions qu'ils donnent de contrats par année. Bon, ils ont pris les caméras, ils les ont tossés vers le FTQ puis vers les municipalités. Regarde, c'est ça la commission du PLQ. C'est la commission de Forêt. Et la première activité comme chef... Puis il n'y aura jamais d'arrestation. Le DPCP, c'est lui qui l'a nommé. Puis la première, c'est lui qui l'a nommé. Penses-tu qu'il va y avoir des arrestations avant les élections, toi? Jamais. T'es-tu assez naïf pour croire qu'ils vont aller chercher Bibeau pis Charest juste avant les élections? Ils n'iront jamais, ni avant, ni pendant, ni après. C'est le clic qui est là. C'est pas compliqué. Puis, Bradette, on peut te critiquer. On peut te critiquer. OK, puis on fournit à Vaseline. Est-ce-tu, regarde, ils rentrent des réfugiés à tonnes, à pile. Puis, c'est 90%. Le Canada, puis le gouvernement du Canada a annoncé aujourd'hui, ben non, on payera pas pour ça. C'est fait que regarde, les 95% de ceux qui rentrent, ils rentrent par la colle, puis Roxane, là, ils rentrent tous au Québec, puis c'est nous autres qui les a sur le bras. Tu sais, welcome, man. J'étais dans le métro. C'est comme la charité bien ordonnée commence par soi-même. Ça vient pas de la planète Mars, ça, calice, là, tu sais. Denis, j'étais dans le métro l'autre jour. Non, j'ai m'a dit une affaire. Denis. On a atteint au Québec un niveau, là, jamais égalé depuis toute l'histoire. Depuis le début que l'histoire a commencé à se décroter les oreilles, comme je dis dans le petit film minoritaire, là. On n'a jamais atteint un niveau de confusion puis de déclin qui ressemble de près ou de loin à ça dans toute l'histoire de nos 400 ans d'histoire. Moi, je peux dire que j'ai rencontré quelqu'un... Je comprends, j'ai le trou qui pète une petite crise de temps en temps. Ah, ben, je suis tout à fait d'accord. On en remet deux, trois Skylolo à eux. Là. Ouais, mais Denis, j'étais dans le métro, j'entends... Denis, juste te dire... Je viens que je sens ça comme un volcan dans le monde. Je pense que tu m'entends pas quand je te parle. Tu m'écoutes pas. Il est encore là? Oui, tu m'écoutes pas. Ah, il est plus là. Oui, je suis là. Ben, je vais lui demander qu'il me rappelle tout de suite, parce que j'avais pas fini. J'avais pas fini de lui dire. Denis, rappelle-moi, là. Rappelle-moi tout de suite. On va reprendre la discussion parce que c'est trop intéressant. C'est peut-être moi qui t'ai coupé, là. Mais rappelle-moi tout de suite, je viens d'ouvrir la ligne. Puis, mais je te dis, Denis, c'est que j'étais dans le métro et j'entendais quelqu'un me dire. J'écoutais une conversation entre deux personnes. Et il y en a un qui dit à l'autre, il dit, moi, je travaille à la colle, ben, en tout cas, dans les bureaux proches de la colle. Et, Denis, es-tu là? OK, on va revenir, je l'attends d'une minute à l'autre, il devrait nous revenir. Il dit, puis ça, c'est cet hiver, là. Il me dit, si tu devrais voir François combien est-ce qu'il y en a qui partent, pas pour François là, mais il parlait à quelqu'un dans le métro. Excuse, je suis mélangé, j'observe en même temps le téléphone que Denis va me rappeler là. Il dit, il y a la personne qui parlait, il dit, il devrait voir le monde. Moi je travaille pour l'agence fédérale là. Ça rentre à tonnes, on est en plein hiver, ça rentre. Et ce qu'il disait Denis tantôt, c'est que le nombre de personnes qui rentrent au Québec depuis fort longtemps, eh bien, il y en a, j'avais des chiffres tantôt, et 95% des réfugiés illégaux rentrent au Québec par la colle. C'est incroyable. Et on sait très bien que c'est tout du vote libéral. Au fil des ans, là, c'est tout du vote libéral. Qu'on vienne pas me traiter de tous les noms, là, c'est comme ça. Et je pense que quand on est rendu à ce constat, eh bien, force est de constater que c'est un plan. Est-ce qu'on peut le qualifier de machiavélique? Je ne sais pas. Mais
C'est un plan très bien structuré. Et je pense que dans cette optique-là, quand on regarde les sondages de la Maison Léger et un des professeurs, j'oublie le nom, de l'Université de Montréal, et lui nous dit 95% du vote des immigrants s'en vont libéraux. Et j'ai regardé, je vous ai fait un tableau hier soir, là, fait par quelqu'un dans l'autre journal. Il est de retour, Denis. T'es là, Denis? Oui, Denis? Oui. OK. Ce que je te disais, c'est que... Excuse-moi, j'ai pesé sur un piton, puis je t'entendais... Bon, tu m'as flanché, c'est correct, là. Non, mais je viens de te dire sur Facebook, rappel, parce que j'ai pesé sur un mauvais piton, là, je touche pas. Ouais, mais là, j'ai remonté le son, parce que moi, je peux pas avoir du son ici, puis t'écouter en même temps. Ça sonne comme écho, là. Ah, ouais, OK. Donc, mais ce que je disais, c'est que tu parlais des réfugiés. J'ai lu un texte, là, je pense que c'est Alexandre Cormier-Denis qui dit « Ah, le méchant gars de droite, le méchant! » Sur 1200 environ, là, depuis un an, là, 95% c'est au Québec que ça passe. On sait que c'est du vote libéral. Fait que nous autres, là, comme tu disais tantôt, à se diviser au lieu de se multiplier, on fait passer libéraux. On fait passer libéraux. Puis là, tout ça, je dirais... pour certaines tranches de la population, pour préconiser des idées de nos valeurs. Nous autres, on a des valeurs à Québec solidaire. Quand j'entends Gabriel Nadeau-Dubois dire qu'il va penser peut-être un jour prendre le pouvoir, faut-tu être débile mental? Non, mais là, c'est sûr que ça n'arrivera pas avant que le Québec... Écoute, le Québec, les Québécois, ils ne savent pas, mais il y a des études démographiques qui ont sorti dernièrement qui explique clairement que d'ici à 2035, les Québécois, là, je dirais pas de souche, là, pour pas triper personne, là, je vais dire juste les Québécois de langue française, on va être en minorité ici. On a commencé par être en bas de 50% à Montréal. En 1996, les études disaient déjà qu'on était très, très menacé le français à Montréal. Là, c'est partout. Le taux d'anticisation, c'est plus 50% quasiment par année à Laval, puis à Brossard, puis à Gatineau. Puis qu'est-ce que tu penses qui va se passer? Man, comme ils disent, hey, ça chill, man. T'as pas fini d'entendre ça, mais que l'enfant de ton enfant, il dise, hey, dad, tu repenseras la toune que Pauline Julien chantait dans le chant et poème de la résistance, là, daddy, daddy. Parce que ça, là, ça va avoir été prémonitoire, une toune de Marc Gélinas. Hein? C'est plate à dire, mais quand tu te laisses crever, Chris, tu grouilles pas. Hein? On n'est pas capable de se rallier. Regarde, là, Pauline la poffine, puis l'autre, regarde, qui a tu décris les articles dans le jeu contre Pauline Marois? Hein? Ben là, elle a un gros château à Pierre Fond, pis elle est le bizarre, pis regarde, là, on se trouve des raisons pour bûcher sur tout le temps sur le Parti québécois. Là, c'est lisé, tu l'entends plus à télévision. Après, il faut qu'il fasse un scoop en esti pour que Radio-Canada l'approche. C'est sûr, c'est le seul qui a sorti contre les médias. C'est le seul, Chris. C'est le seul qui sort aussi contre l'immigration, pour la laïcité, contre le port du voile dans les écoles. Hein? Là, il vient de ramener Lisette Lapointe. Là. C'est pas rien, ça, là. Hey, peux-tu te dire qu'elle avait le Parti québécois dans le travers, dans le cul, en esti, elle? Quand elle a réussi à convaincre Parizeau d'aller porter son 100$, là, devant une caméra de Radio-Canada à Jean-Martin Hansan, penses-tu que c'est un geste innocent, toi, ça, devant les caméras de Radio-Canada? Hein? Non, c'était orchestré, c'est sûr. Il n'y a pas d'innocence là-dedans. Quand Julie Schneider choisit d'aller faire sa sortie contre PKP, à tout le monde en parle de Radio-Canada, il n'y a rien d'innocent là-dedans. Ah, c'est clair. Et, non, regarde, là, faut être capable de décortiquer A plus A, puis B plus B, puis tu sais, faut que tu sois capable, là, un minimum, d'être un observateur éveillé un peu. Non, mais moi, c'est pour ça que... Écoute, j'ai appelé les instances du PQ, puis je leur ai fait part d'un des projets, puis j'en ai parlé tantôt.
que je parle souvent, puis c'est un seul rapport d'impôt, puis il n'y a rien de secret là-dedans. Écoute, même le NPD fédéral est pour. Fait que pourquoi est-ce que le PQ en profite? Mais le faire, là, c'est difficile, ça, là. Attends, là, ils m'ont dit... Pensez qu'ils vont se laisser arracher 51 milliards sans enlever le petit doigt? Oh, ben, ils nous l'ont demandé, OK. OK, on va... Tu te demandes pas. Bon, c'est un peu dans la même fin que Pomerleau parle de prendre des pouvoirs qu'on peut avoir. C'est-à-dire, regarde, tu connais un peu ma position, c'est que tu retiens l'impôt de tes 500 000 fonctionnaires fédéraux. Tu pars déjà avec ça. Fait que là, ils sont faits à l'os avec ça. Les fonctionnaires québécois, là, qui sont payés par l'État québécois, les infirmières, tous les fonctionnaires, les professeurs, tout ce qui relève du gouvernement du Québec, tu retiens l'impôt fédéral, tu l'envoies au ministère des Finances, puis au Conseil du Trésor, peu importe, je m'en fous. T'en as 500 000 en partant. Le conjoint, ce que tu voudras, ça en fait un million. Le réseau PQ. Ils m'ont dit, attends, Denis. Ils monopolisent l'armée contre le gouvernement. Ils m'ont dit au PQ, on l'a dans les plans. Fait que je dis, parfait. Faites-le maintenant. Puis là, ben moi, j'ai hâte qu'ils le disent. Mais qui dit qu'ils ne le feront pas pendant la campagne, avant la campagne électorale? Puis j'espère qu'ils vont le faire. Puis s'ils le font, là... J'aimerais ça. Toi, t'es-tu bon dans les recherches pour la musique? Oui. Ben, pas pire. Moi, je suis pas capable de trouver une toune que je me rappelle. Une toune de Jacques Michel, d'un album qui avait été obligé de retirer des tablettes quasiment. C'est l'album SOS. Il y a une chanson là-dessus qui s'appelle Victor, puis ça parle de la crise d'octobre un peu, puis je pense qu'elle avait été retirée un peu à cause de ça, parce que c'était comme une incitation à la violence, tu sais. Mais c'est drôle, hein? Moi, je lis beaucoup, hein? Puis là, dernièrement, je lisais, c'était Marcel Chaput, qui avait fondé un mouvement, qui a fait des grèves de la faim, lui, puis tout ça, là, pour l'indépendance, ce qu'il disait. Puis les derniers chapitres, là, j'ai choisi de me battre. Okay? C'est ça le titre de son livre. Puis il y a un petit bout qui parle de la violence, un essai sur la violence. Puis, m'a dit, c'est le premier qui m'ébranle de même. Il m'ébranle de même la nécessité de recourir à la violence pour réussir à arracher des vrais points, là, tu sais. Puis lui, de la manière qu'il développe, là, il dit, écoute, quand t'as pas affaire à une démocratie, il dit, moi, je crois de moins en moins dans notre système démocratique depuis que je l'ai expérimenté en fondant un parti, là, tu sais. Puis on parle de ça date de 64, qu'est-ce que je te parle là, tu sais. Puis je te le dis... Si les Québécois sont pas capables de s'unir derrière un parti pour pas que ça soit encore des marais qui aient le contrôle, regarde, on est cuit en 2018. Puis là, c'est plus le projet d'indépendance, on veut un pays, c'est la survie de la nation qui est supposée de porter le projet qui est en jeu, là, tu sais. Puis ça dort au gaz dans les chaumières, mon pite. Regarde, Ils vont écouter, ils prennent le pli du dernier qu'ils ont entendu, tu sais. Machin, paquet, girouette, et cetera, là, tu sais. Ça n'a pas de... Je suis découragé. Moi, je pense que, écoute, il faut On a des actions qu'on va faire, là. Il faut prendre parce que moi, j'aime ça être sur le terrain, puis je me sens revivre dans ce temps-là. On dirait que quand je prépare une action, là, j'ai plus 63, je retombe à 20, là, tu sais. Mais une chance que j'ai ça, parce que si, boy, je regarde une nation, on dirait que je suis en train d'assister en direct au dernier roulement d'une nation écartée, comme elle, puis confuse comme elle l'a jamais été. Ben moi, je pense que, Denis, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et puis, au-delà... Puis moi, c'est pas vrai que le Bloc québécois repose sur les épaules seulement que de Mario Beaulieu. Moi, je sens ça, là. Puis je pense que... Mais Mario va s'écraser. Il va s'écraser pour sauver son siège à lui. Mais tu sais, la gang qui sont en arrière de Mario, là, puis les déçus de Martine Ouellet de la course à chefferie, qui jurait juste par elle. Il y a juste Martine. Je l'aime, Martine. C'est vrai que c'est une indépendantiste convaincue, puis tout.
Mais tu sais, référendum dans 15 jours, là, regarde, tu t'en vas-tu dans le mur, Chris? Pas à peu près. Tu t'en vas-tu dans le mur, esti? Tu t'en vas dans le mur direct. Bon, et ben Chris, puis... ça prend pas un cours classique, ben un observatoire géopolitique pour comprendre ça, esti. Tu sais, parfois, j'écoute Mario Dumont, puis des fois, il emploie des images drôles. Il dit, Martine va monter sur son bicycle, puis elle va foncer dans le mur. Ben ouais, ben oui, Mario Dumont, il fait la promotion de la CAQ depuis... Oui, je sais, c'est toujours mieux que faire de la promotion du Parti libéral, là, tu sais, c'est un peu pareil. Ben là, il n'y a pas personne qui peut se permettre ça, sans rapport de Luc Lapoie, là, que c'était l'ami à Charest, puis que, tu sais... Oui, t'as raison, mais il reste que, en bout de ligne, c'est évident que, à force de... Tu sais, le PQ, tu vas me dire, il ne s'est pas aidé. Mais c'est pas ça que je veux dire. Les indépendantistes, là, souveraineté, tu sais qui je parle, là? La gang à Mario Beaulieu, Option nationale, tout ce monde-là, là, qui sont des purs et durs, là, plus catholiques que le pape. Ouais, plus catholique que le pape à Rome, là, qui ont toujours raison, puis qui ont... Bon, moi, là... Je peux pas te signer avec eux autres, regarde, les pro-Martine, regarde. Ils me font penser aux autres. Ils me font penser à la gang de Québec solidaire, quand t'es pas d'accord avec eux autres, t'étais des trous de cul, puis t'es... Ben ça, ben eux autres, c'est pas compliqué, si t'as une coche, là, que t'es pas d'accord avec un point dans toutes les affaires, t'es un fasciste, t'es un raciste, t'es un intolérant... Ben, ces gens-là, c'est eux qui ont... Tu sais, moi, je dis que le PQ, là... OK, je ne veux pas mettre de date à partir de quel moment ça a commencé à tomber, mais il faut savoir une chose. Quand André Boisclair est arrivé, puis là, ben bon, ça n'a pas aidé... Mais c'est qui a fait qu'André Boisclair a été élu? Ben ça gagne à Mario Beaulieu, qui ont travaillé contre Bernard Landry. Bernard Landry, il est parti avec 76%, puis il l'a regretté toute sa vie. Ben oui. Il l'a regretté encore, OK? Puis Parizeau, quand il est parti à cause de sa fameuse phrase, le vote technique, dans le fond, il avait juste dit la vérité. Puis là, l'argent puis le vote technique, là, il n'y avait pas plus vrai que ça, là. Dans la lecture de l'histoire, c'était pas un imbécile, Parizeau. Mais là, il a cru bon de se tasser puis de laisser la place à Lucien Bouchard. Regarde, lui avec, il l'a regretté toute sa vie. Lui avec, jusqu'à la fin. Et là, il disait, mais là, c'est rendu comme un champ d'orline. Regarde, c'est rendu comme un champ d'orline, puis je vais y contribuer un petit peu, moi aussi. Je vais aller porter le portrait de la reine avec un sang marqué dessus, là, puis Lisette, là, qui est anti-Marois, là, par-dessus la tête, là. Là, ça a l'air qu'elle s'est réconciliée avec Lisée, là. Mais, je veux dire, dans le temps, là, elle pissait dans l'oreille un peu, puis ça finit qu'il a dit, « OK, chérie, on va aller porter 900$ à Jean-Martin devant les caméras de Radio-Canada. » Hein? C'est là que ça s'est passé. T'sais, la solidarité, ça n'a pas toujours été notre plus grande qualité. Ben non, ben tu sais... C'est Parizeau en tête de liste. Moi, là, je peux te dire une chose, Denis. Mon père, c'était un vieux militant du RIN, etc. Je ne compterai pas son histoire à soir, mais c'était un militant qui a toujours été hors pair. Il a été dans le parfait. Lui, il ne critiquait pas le PQ, puis il aimait le Bloc québécois au bout. Il trouvait que c'était bien important, le Bloc québécois. Ben ouais. Mais souvent, il était en maudit après Parizeau avec ses métaphores. Il dit, lui, puis ses métaphores, là. Puis là, les journalistes se gargarisaient avec ça, là. Puis autopelure de banane. Les astignés, lui. Autopelure de banane. Ben oui, ben c'est... Ben oui, puis lui, il dit, lui, avec ses métaphores. Même cynique riait de lui. Tout le monde riait de lui, là, tu sais, à cause de ça, parce qu'il disait « Mettre le corbeau sur son arbre pêché. Puis là, Denis, là, on critique pas Parizeau par ses réalisations, là, ça a été... Mais non, c'est lui qui a édifié l'État. Exact. C'est lui, la caisse de dépôt. Ils ont juste donné son nom, puis Power Corporation a pris le contrôle du conseil d'administration, comme ils ont fait à Hydro-Québec. Un bout de temps, il était en conflit d'intérêts. Il y avait un qui traversait la rue après les conseils d'administration. Il traversait la rue, l'autre bord, il rentrait sur Power Corporation, puis il disait tout, qu'est-ce qui s'était dit à Hydro-Québec. Tu penses-tu que quand tu sièges sur le conseil de Power Corporation,
t'as de l'information privilégiée quand tu sièges chez deux CA. Tu sais, Denis, je vais te raconter une histoire. Je sais pas si tu l'as vu passer dans les médias sociaux aujourd'hui, mais tu connais le gars, OK? Je sais que tu le connais, le gars. Mais quand on est rendu, là, nous autres, les militants, là, parce que moi, je parle à mes collègues de travail, puis toi, tu dois sûrement parler à des gens au restaurant. Et puis là, tu parles d'indépendance, puis là, tu rencontres la même personne, tu deuxième fois, tu en parles, puis troisième, puis dixième, puis vingt, bout de 20 fois, il est fatiguant, ce style-là, avec ses affaires. Nous autres, on est comme ça, on croit notre affaire. Il y a un autre gars, tu sais, puis là, on parle de QS, puis de des toilettes transgenres, puis là, on arrive avec une autre affaire. Un gars qui était suspendu à STM. Je sais pas si tu as suivi l'affaire. Ben oui, je le connais. Pour avoir distribué les drapeaux du Québec, bâtard, dans la Première nationale du drapeau. Il s'appelle Paul-André Desbiens. P.A. Desbiens, Paul-André Desbiens, un de nos bons chums, que tu connais très bien, qui a fait les mille manifestations. Oui, il est impliqué au APS, puis tout ça. Il a fait les mille manifestations, ce gars-là, que nous autres. Il est chauffeur d'autobus aujourd'hui à STM. Puis il a été suspendu pour avoir distribué des pamphlets. Des drapeaux du Québec. À Journée nationale du drapeau. Ouais. Puis là, il a distribué ça dans ses locaux, là, à STM, aux employés, pas au monde dans l'autobus, là. Des syndicats. Pis il s'est fait suspendre une journée sans solde à cause de ça. Ouais. Puis là, il y en a d'autres de leur côté, par contre, qui militent pour des toilettes, pis des affaires, des niaiseries du genre, puis on peut pas s'appeler monsieur puis madame. Eux autres, il n'y a pas de problème. Mais tu distribues des drapeaux du Québec aujourd'hui. Ah, ça n'a pas l'air. C'est le drapeau ça des fascistes, bon tort. Ça donne une idée du déclin du Québec. C'est puis si un militant, ça donne une idée. Avant ça, là, tu te promenais, tout le monde avait des drapeaux du Québec. Tout le monde. Là, ça, tu t'en vas en ville, c'est juste des drapeaux rouges partout. Il y en a trois par les sur les mitaines des gens, les mitaines des gens en hiver, les anciens drapeaux des Jeux olympiques. Là, les Toronto... chez nous. Regarde bien ça, là. Nous, Toronto s'en vient jouer au stade olympique, là. Ils vont probablement distribuer des casquettes des Blue Jays. Tu vois plein de casquettes des Blue Jays de Toronto. Par chance, il y a eu une recrudescence des casquettes des Expos. Mais moi, la maudite casquette des Blue Jays, pour moi, il y a une feuille d'érable dessus. Puis c'est Toronto. Moi, j'irais pas mettre une casquette des Blue Jays. Ben parfois, non, je sais, mais ça, là, moi, que tu prennes pour les Bulls de Boston ou ça, c'est pas grave. C'est pas important. Les Blackhawks de Chicago. Ouais, mais il y a une feuille d'érable sur la casquette des Blue Jays. Ça fait que je veux rien savoir. Que tu prennes les autres, ça me dérange pas. Mais Paul-André Desbiens, il dit distribue des drapeaux du Québec pour la journée. Dans son syndicat, dans son lieu de travail, il se fait... Ça donne une idée comment ils sont québécois, eux autres. C'est tout rendu canadien. Jean-Claude, il me disait, l'état de décrépitude de l'État après 15 ans de pouvoir là, non-stop du PLQ, c'est épouvantable. C'est rouge, la machine, là. Tous les ministères, quatre paliers en dessous de chaque sous-ministre. Hey, écoute. C'est rouge vin, mon gars. Toutes les chaires d'université, Hydro-Québec, tous nos leviers économiques, ça leur appartient. Tout investissement Québec. As-tu vu des beaux petits cadeaux à Bombardier? Regarde, c'est juste de ça. Tous les chefs du monde. On critique Denis Max que j'ai eu le mercredi soir, mais il m'a fait penser à quoi cette semaine? Le train que la Caisse de dépôt veut faire, là. Le REM, là. Ben oui, le REM, c'est... Okay, c'est une place pour donner contre aux amis une fois qu'ils sont plus au pouvoir. Ben oui, ils vont commencer avant la fin des élections. Écoute, le plus bel exemple de ça, là, prends juste le dossier de la centrale Bécancour. OK, tu t'en rappelles-tu de ça? Daniel Breton avait sorti là-dessus, OK? Daniel Breton, là, le Québec ne sait pas qu'est-ce qu'il doit à Daniel Breton. C'est pas des toilettes trans, lui, qui se battait pour, là, tu comprends-tu? Il a fait stopper 10 projets sur 12 de centrales privées pour Hydro-Québec. Eux autres, là, ils vont faire à croire que acheter de l'électricité, produire de l'électricité à 11 cents du kilowattheure, puis de leur vendre à 4 cents, c'est payant. Puis ils signent ça aller-retour pour 10 ans puis 20 ans. Ça n'a pas d'allure. Mais lui, il s'est battu contre la centrale au gaz de Bécancour. Les prix ont triplé pendant la construction. Puis pendant que Thierry Vandal faisait ça, là, il était là au PLQ, qui venait juste de se faire voter une augmentation de salaire, lui aussi. Il a obligé, il a signé avec TransCanada Énergie, une compagnie albertaine, OK,
200 millions par année de pénalités que ça coûte à Hydro-Québec pour ne pas produire d'électricité. Puis il a signé ça pour 10 ans. OK? Puis là, les libéraux, ils ont repris le pouvoir avec Couillard, ils ont signé ça pour un autre 10 ans. Comment ça fait ça? Ça fait 2 milliards. 2 milliards que Hydro-Québec n'aura pas dans ses poches, puis que le gouvernement du Québec n'aura pas dans ses poches, pour nourrir une compagnie albertaine. Puis, essaye de m'expliquer, devine où ce qu'il travaille, Thierry Vandal, là. Il s'est trouvé, devine où? Chez Trans-Canada Énergie. OK, c'est ça le Québec du PLQ, calice. Ça prend ça. T'as pas besoin de faire un travail de recherche bien, bien long, là. Il faut rappeler que Thierry Vandal, il a une pension à vie. Ben oui. Il est parti avec une prime de 456 000. Par année. La même affaire que Paul-Henri Rousseau. Par année. La même affaire. Par année. Par année. Ben oui. Paul-Henri Rousseau, il a fait un trou dans notre problème de 40 milliards. Oui, c'est vrai que les circonstances économiques étaient pas bonnes, puis on aurait peut-être perdu 20 pareil, mais pas 40, si. T'sais? Puis qu'est-ce qu'il a fait? 6 mois avant que le scandale éclate, il s'est trouvé une job où? Pour pas avoir de corporation, juste comme par hasard. Les démarrer encore. Hein? Tabarnak de Christ, c'est quoi que ça va prendre? Ah, mais faut dire une chose, Denis, c'est que les fédéralistes ont réussi, puis là, on le voit, on s'en aperçoit depuis un bon bout de temps, nous autres, les plus avertis. Là. Faut pas dire qu'on est plus intelligent que les autres. Là. Ben non, c'est pas ça, mais les années ont fait que t'as vu aller la game. Tu sais, c'est simple, là. Moi, je suis dans un couple, puis je demande à ma blonde, hey, « B, ça te tente-tu de m'aider à faire la vaisselle? » Puis elle me dit, « Oh non, un soir, ça me tente pas, j'ai mal à la tête. » OK, je suis obligé de donner le bénéfice des autres. Si une semaine après, je leur demande, elle me dit, ah, ben, soir, j'ai des devoirs, là, je peux pas. Mais que ça fasse 250 000 fois que je demande, puis qu'elle me dit qu'elle peut pas, m'as-tu fini par allumer que ça y tente pas de faire la vaisselle avec moi? M'as-tu fini par me le rentrer dans la cabine, merci? Ça fait 250 ans qu'on se fait crotter par le Canada. C'est quoi que ça va prendre de plus? C'est jusqu'où il faut aller? Si, avant d'allumer, il n'y en a aucun avenir pour le Québec français ici, là, avec le Canada, zéro, puis ça fait 100 ans que c'est le même. Mais Chris, ça comprend pas ni du cul ni de la tête, tu sais. Ah non, c'est vrai. Quand ben, c'est Falardeau je comprends, je m'excuse. Denis, c'est Falardeau qui disait... Les Québécois aiment mieux astiquer le bout de tôle dans le garage, les frotter pour les faire luire, ou ben de s'acheter ben une piscine chez... Une piscine hors terre, parce ben que ça, c'est bien important, puis le petit voyage à Cuba... J'ai publié ça sur Facebook, la lettre à Jérémy, la lettre à son fils. OK? Ouais. Deux semaines après, je regarde, il était rendu à 500-600 partages. Le monde, il aime ça, oh, c'est donc bien beau, c'est de la poésie, là, tu sais. Le pamphlétaire. Mais c'est un visionnaire, Falardeau. C'est pas rien qu'un visionnaire quand il a donné l'entrevue à Martineau. Ben, ce que je veux dire, les fédéralistes. C'était pas avec notre connivence. C'est un chef-d'œuvre, ça. C'est un visionnaire, le gars. Mais je m'inclus là-dedans, là. Mais les fédéralistes ont hijacké le mouvement souverainiste, là. Ils l'ont. Mais ils l'ont neutralisé, en tout cas. Ils l'ont neutralisé d'aplomb. Puis, une des façons de le neutraliser, c'est de former un parti de gauche qui dit n'importe quoi, patrimoine, faut plus parler de ça, puis là, le peuple la main, puis les transgenres, ben, ça, c'est bien. C'est correct, ils défendent les minorités, mais ils défendent les minorités. C'est comme la Fédération des femmes. La Fédération des femmes du Québec, ils ont laissé rentrer des musulmans là-dedans, c'est plate à dire, mais c'est ça, là, c'est pas du racisme, c'est le même, ça s'est passé. Puis là, ils ont fini qu'ils ont sorti toutes les pro-femmes qui étaient là pour le vrai, qui ont formé l'Association pour le droit des femmes, je pense que c'est le même que ça s'appelle à cette heure. Ouais, mais tu sais, eux autres, là, ils défendent le voile intégral à tout craint, man. Les féministes pour le voile. Tantôt, là, t'as des féministes bientôt pour la charia. Pareil comme t'as eu des indépendantistes pour le nom. Tu sais, c'est là qu'on est rendu. Des indépendantistes pour le nom, puis des féministes pour la charia. Écoute, je vais te lire un petit texte, là. C'est pas long, là. Ça a été publié le 21 mars
2018. Ouais. C'est signé par Yvon Laprade dans la presse. Ah ouais. Il parle des étudiants, d'ailleurs, ouais, qui achètent ici. Hey, des étudiants qui achètent! Écoute bien ça. Ils viennent étudier à Montréal, dans les universités, louent un appartement ou achètent un condo, très souvent avec des fonds provenant de leurs parents. Ces étudiants sont des résidents non permanents. Ils sont de plus en plus nombreux à contribuer à la diversité culturelle de la ville de Montréal et à poser leurs valises dans Griffintown, Le Plateau, Rosemont, Villeray et Hunsick. C'est bizarre, hein? Toutes des comtés où il y a Québec solidaire, puis Villeray, c'est Laurier-Dorion, puis Hunsick, ils sont rendus pas mal forts dans Hunsick. Ils sont 16-17% dans Hunsick. Fait que tout ça, là, c'était des comtés qui appartenaient au Parti québécois, sauf Laurier-Dorion. Mais ils pogneront pas Laurier-Dorion. C'est la politique du multiculturalisme canadien qui fait que... C'est ça, débarque à l'aéroport de Dorval, là, parce que moi, j'ai de la misère à l'appeler... À l'aéroport de Dorval. Ouais. Ben, aussitôt qu'ils mettent la grosse orteille sur l'asphalte, ils ont autant de droits que toi puis moi, puis nos ancêtres qui ont mis en valeur, puis qui ont défriché, puis qui ont bûché, qui se sont arrachés le cœur pour mettre le territoire en valeur. Tu sais, moi, j'ai rien contre ça. OK, bienvenue. Mais là, c'est pas ça. C'est parce qu'en plus, il reçoit de la petite plaque de Trudeau qui dit « Hey, vous pouvez continuer à vivre exactement pareil comme au Pakistan et en Afghanistan, etc. » Puis eux autres, dans leur religion, ils ont pas le droit de se mélanger avec les autres populations. Une musulmane est obligée de marier un musulman. Ça fait qu'il n'aura pas de mixage, ici, comme nous autres, on l'a fait avec les Amérindiens, puis on a tout un peu de sang amérindien dans les veines, là, tu sais. On est tout un peu mixés, là, tu sais. Ils sont rares en esti, là. Les deux. Je vais te faire entendre quelque chose, Denis. Écoute bien ça. C'est un député français. Je lui ai fait entendre il y a une couple de jours. C'est 1 minute 33, 43. Écoute bien ça. Proposé, page 57, de conditionner l'accès aux aides sociales à la volonté d'insertion dans la société des étrangers en situation régulière et de leur instaurer un délai de 40... On va recommencer. Quand vous proposez, page 57, de conditionner l'accès aux aides sociales à la volonté d'insertion dans la société des étrangers en situation régulière et de leur instaurer un délai de carence de 5 ans pour accéder à l'aide au logement et également accéder aux prestations de santé. C'est-à-dire, en d'autres termes, ça des étrangers... Pas les prestations de santé. Si, non. Vous dites exactement à la non. protection médicale non, universelle. Non, à la CMU automatique. Oui, d'accord. Donc, ils n'ont pas le droit, ils n'auront pas accès à la CMU. Comme dans la plupart des pays du monde. Comment vont-ils se soigner alors, des gens? On va prendre calmement. Oui. Comme tous les pays du monde. Tous les pays du monde. Il n'y a qu'en France, vous arrivez de Bulgarie. J'avais un exemple la semaine dernière dans ma circonscription. Vous arrivez de Bulgarie. Vous savez quel est, madame, le salaire minimum en Bulgarie? Je suis sûr que vous le savez. Allez, 200 euros. C'était 179, ça a dû un peu augmenter. Vous arrivez de Bulgarie, au bout de 3 mois, vous venez dans mon service social, j'ai un exemple ailleurs dans ma ville, vous venez au service social, au bout de 3 mois, vous avez le RSA, 530 euros, le double du salaire minimum bulgare. Et puis, vous avez les soins gratuits. Et puis, votre vieille mère arrive, elle a le minimum vieillesse, 800 euros. Au même moment, moi, madame, j'ai une employée communale qui a travaillé 45 ans. Vous savez ce qu'elle touche comme retraite? 840 euros. Elles habitent sur le même étage, dans le même HLM. Elle est accablée de fiscalité. Et elle me dit, quand est-ce qu'on va faire cesser cette préférence étrangère? Quand est-ce qu'on va arrêter d'augmenter les impôts sur les Français pour nourrir la terre entière? Je n'accepte pas qu'on vienne dans mon pays, qui est le fruit du travail de générations, pour prendre l'aide sociale sans travailler. Denis, on peut appliquer ben ça. Ouais, on peut appliquer c'est ça exactement ça. C'est exactement ça. Il y a raison, mais tous ceux-là qui parlent comme ça, ils se font traiter de racistes et de fascistes. T'sais, écoute, là, c'est ils ont institutionnalisé ça. T'as pas vu la dernière nouvelle là, qui est sortie la semaine passée? Là, il faut qu'ils disent pour respecter qu'il y ait plus de minorités ethniques tout partout dans l'appareil social, parce qu'on serait des discriminatoires, là, des racistes systémiques à l'emploi, supposément. Et moi, pourtant, je vais te raconter mon histoire personnelle.
Là, 20 ans, j'ai été faire application à la ville de Montréal. J'ai eu des nouvelles à peu près 2 ans après. Puis quand j'ai passé dans le bureau, j'avais été surpris parce que la fille, elle m'avait dit, « Vous êtes chanceux, vous, monsieur? » Parce que quand ils t'appellent là, pour l'examen médical, puis au début, tu remplis ta formule d'application. Comme moi, j'ai appliqué comme peintre. Je suis peintre. C'est ça, mon métier. Mais là, la madame a dit, « Vous êtes chanceux, monsieur, aujourd'hui? » J'ai dit, « Comment ça? » Elle m'a dit, « Si vous auriez été une femme noire, ou s'il y avait eu un autre peintre qui aurait appliqué pour la job de peintre à la ville de Montréal, qui venait d'une communauté ethnique, il aurait passé avant vous. » Elle m'a dit ça, là, 20 ans. Ça fait que... Puis là, ils viennent d'en faire une loi officielle, là. C'est une loi officielle, là. Là, ils vont discriminer le Québécois, le Canadien français, au détriment de toutes les communautés culturelles vont être choisies avant lui. Et ça s'appelle du racisme inversé. Hein? C'est comme la société d'accueil, elle va être discriminée au nom du multiculturalisme canadien. Puis québécois aussi, parce qu'il y en a un petit paquet là-dedans, là. Tu sais, des bouts de temps, là. Je vais te dire, j'étais content. J'ai vu partir Alexandre Cloutier, j'étais content qu'il s'en aille. Parce que Chris, son discours, il ressemblait à celui de Gabriel Nadeau-Dubois, là, tu sais. Les vrais... Il tape un peu, puis regarde, il a eu le petit coup de coude d'en face de Jean-François Lisée dans la course à la chefferie quand il a dit, regarde, vous êtes chanceux, Arôme Boisy a dit qu'il vous appuyait. Puis regarde, Arôme Boisy se présente pour Québec solidaire, là. L'investisseur, c'est demain. Mon chum, il voulait que j'y aille avec une caméra, puis filmer, puis il voulait que j'y pose une question. Mais je peux pas parce que je suis impliqué dans une action politique, puis je travaille demain matin à 6 heures pour pouvoir être à Trois-Rivières, c'est-à-dire à 11 heures. Puis après ça, je reviens, puis j'avais cette affaire-là. Là. Je pense à Arôme Boisy, il se présente, je pense que c'est à partir de 3 heures l'après-midi. Il se présente officiellement pour Québec solidaire, celui qui a traité tous les Québécois de racistes. OK, ça, c'est... Puis Dalida Awada. Dalida Awada qui a poursuivi Vigile, puis qui a poursuivi Poste de Veille, puis Philippe Magnan. Tu sais, elle a poursuivi juste des indépendantistes, elle. OK? Ça, c'est ça, Québec solidaire. On tire sur les indépendantistes, les méchants identitaires, regarde. Qui mangent de la merde. Je peux te dire une chose, Denis. J'ai jamais été capable, moi, de m'associer. C'est pour ça que le PQ... Je peux comprendre l'opération que le PQ a faite dans, disons, le flirt avec Québec solidaire pour démontrer... Ben, il fallait qu'il fasse la démonstration publique que le Parti québécois n'était pas le mauvais coucheur là-dedans. Puis il l'a fait. Il l'a fait, c'est correct. Mais il y en a plein de monde qui me disent... Depuis ben oui, ils l'ont jugé. Pareil comme moi, quand il a sorti la face, là, le poster de Marine Le Pen... Il a dit, oh non, on n'en veut pas de ça. Regarde, moi, je trouve que je l'écoute parler, cette madame-là, là, surtout dans l'entrevue avec Anne-Marie Dussault. Okay. Hey, je peux-tu te dire une affaire? On avait les deux versions-là, patriote contre multiculturaliste, oui. Un en face de l'autre. Hein? Ça, c'est l'entrevue qui m'a le plus marqué de toute ma vie. Bon, mais quand tu as écouté cette entrevue-là, tu peux pas cracher dans la face d'une patriote comme Marine Le Pen. Moi, j'aimerais pourtant, c'est une erreur. Mais vois-tu, moi, qu'est-ce que je veux dire, c'est que je suis pas d'accord. Ouais, je suis pas d'accord avec 100% des mots de Lisée. Mais par contre, je sais qu'il y a une crise de bonne équipe de conseillers autour de lui. Écoute. Les anciens. Oui, il y a une bonne équipe, mais quand il est arrivé à vouloir amener un projet à l'automne passé pour une charte de la laïcité, ben il a été bloqué le matin même par son bureau. Par son propre parti. Ouais, ben mais c'était qui était à la tête de cette coalition-là? Ben c'était de qui son était en quête de l'exécutif? C'était Alexandre Cloutier et les 18 députés qui l'avaient appuyé. Ouais, mais puis ils l'ont bloqué. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son allié naturel, là, Véronique Yvon, qui avait aussi flirté avec QS dans Joliette, hein? Puis qui était en charge d'essayer de bâtir des ponts avec Québec solidaire. Il a donné un coup de coude dans face d'Alexandre Cloutier, il l'a tossé, puis il a ramassé vers Véronique Yvon, puis il l'a collé sur lui. Ça, c'est des mots intelligents. Ça, là, tu peux mesurer l'intelligence puis l'instinct politique d'un politicien.
politicien quand il agit comme ça. C'est des bons moves. Parce que l'autre, il était quasiment comme une équipe. Et puis quand... Véronique puis Alexandre Cloutier, c'était quasiment comme une équipe dans la première course. Mais il reste une chose, c'est que les coups, il va falloir ces séries, Denis, parce que ça va être une bataille, puis Falardeau le disait, ça va être tough. Un peuple qui meurt, une nation qui crève, ça souffre longtemps en tabarnak, puis c'est tough. C'est ça qu'il disait Falardeau. Oui. Levez-vous, puis battez-vous, calice. C'est pas compliqué, c'est ça le message de Falardeau. Oui, et puis je pense qu'il y en a qui l'ont... Il était pas trop mélangé, lui. Non, il était pas mélangé, puis c'est bizarre, hein? C'est très rare que je rencontre des gens qui me disent qu'ils haïssent Pierre Falardeau. J'en connais pas. Un gars comme Gilles Réaume, Marcel Tessier, Pierre Falardeau, des gars qui parlaient vrai, là, tu sais, puis qui étaient bons orateurs. Ben, tu sais, ils étaient aimés, ces gars-là, là. Puis Marcel, c'est le seul qui reste avec nous autres et qui est pas décédé. Là. Mais, ils sont morts jeunes, les deux premiers. 62 ans, les deux, à peu près, là. Je pense que Gilles, 62. Puis, c'est bizarre, hein? Lévesque est mort à 64, 65 ans. Bourgault, 62, 63. Pierre, à 62. Gilles, à 62. Écoute, pis c'était les gars les plus aimés au Québec. Ben, j'ai 63, au moins, puis m'a dit, il y a des hivers que je me demande si je vais passer au travail. Ah non, t'es solide. Mais il reste que, tu sais, Jean-François Lisée, moi, je vais lui donner le bénéfice du... parce que je pense que c'est Régent Parent qui disait que l'homme au million d'idées, là. Je pense qu'il donne pas toutes ses idées. Il montre pas son jeu de cartes. Il y a un coffre d'outils full. Son jeu de cartes. Il y a un coffre d'outils plein, il est prêt pour la guerre. Puis il faut le laisser aller. Il va partir troisième, il va finir nez à nez avec le premier. Ça, c'est sûr. Puis j'ai hâte de le voir en campagne parce que. C'est bien beau, là. C'est un petit débatteur, lui, là. Il connaît ses dossiers par cœur, par gars. Il sait où ce qu'il s'en va. Puis, attention, là, les plans, là, il n'a pas tout dévoilé son plan, là. Il a sorti un peu ses infirmières. Ben non, il a sorti l'affaire pour contrer le REM. Mais le REM, là, c'est une gamique de la Caisse de dépôt de Paul Desmarais puis des petits amis du PLQ. Puis, tu sais, quand tu vois le gars qui dit « Tabarnak, ça n'a pas de bon sens, ça fait 4 ans que le PLQ me vole mes meilleures idées. » Ça veut tout dire. Puis il se présente comme l'équipe du changement. Chris, ça prend pas un long plan écoute classique pour le décortiquer, là. Tu sais, écoute, ils ont des ministres, ils ont des candidats interchangeables, qu'ils soient à la CAQ ou qu'ils soient au PLQ. T'as vu dans la dernière partielle, là, Saint-Henri, ils ont été obligés d'en retirer les deux crosseurs, c'est-tu, qui avaient été nommés à la commission Charbonneau, qui essayaient de représenter, tu sais. Quand le PLQ va chercher Norm MacMillan, comme nouvelle figure pour... c'est quoi, pour rajeunir l'image? Puis t'as l'autre façon de voir la nouvelle. T'as 4 députés du PQ qui disent qu'ils se représentent pas. Vague de démission au PQ. Un hécatombe. Ouais, t'en as 9 chez les libéraux. Ah, puis de plus, là, tout. Ils sont rendus à 11, là, les libéraux, c'est pas grave. Ben, déjà, Jean-Marc Fournier décide. On appelle ça un rat de marais. Ouais, Jean-Marc Fournier décide de pas se représenter. Je peux comprendre ça. Il l'invite à tout le monde en parle. Puis un gars comme François Gendron qui a fait. Ouais. Il a jamais été invité à tout le monde en parle. Mais eux autres aussi, tout le monde en parle. Tu parles d'une gang de rats, ça. Ça, ben, écoute, je suis plus capable. Non, mais il y a quelqu'un qui écrit quoi là-dessus. J'écoute jamais ça. Mais comment ça se fait qu'ils ont invité Fournier? Puis Gendron, non, lui, là. Fait que moi, pour moi... Il aurait dû y en parler quand Pascal Pelado, il avait dit, parle-nous donc de SNC-Lavalin, puis de la Libye, puis de Kadhafi, toi. Hein? Il avait dit ça en plein Assemblée nationale, Pierre-Carles Pelado. Parce que lui, il oublie pas dans les affaires de la Libye que Sarkozy vient de se faire pogner, là. Oublie pas qu'il a fait un petit bout, lui, pour SNC-Lavalin, là-bas. Oui. Il en a négocié avec des fraudeurs. Et on se souvient que le peu de temps que Pierre-Carles Pelado a été chef du PQ, il a fait que petits tweets. Ben oui. Ça a résulté en démission. J'en connais pas un dans tous les chefs du Parti québécois qui s'est fait attaquer comme Pierre-Carles Pelado dans tout le temps qu'il était là. Oui. Mais il était même pas chef, je pense qu'il était président du conseil d'administration d'Hydro-Québec. Il a fait 3-4 tours, 3-4 démissions. Ouais. Bing, bang, bang, ça sortait. Ça n'a pas été trop long. Puis les conflits d'intérêts, les cibles, ça, tu sais, mais regarde, ça,
Ça joue dur. Dans les courses à chefferie, on le sait que ça joue dur. T'sais. Mais en tout cas, je peux te dire une chose, mon cher Denis. Je pense que seulement que le temps de parole que tu as pris ce soir, moi j'espère que Jean-Marc va en faire un montage. Parce qu'il faut que ça soit diffusé sur les réseaux sociaux. Ben écoute. Mais mettez-moi pas en avant de la game, là. Moi, je suis fait pour être en arrière. Non, mais t'es pas obligé, on te montre pas. Ben oui, ils vont sortir tout le dossier, là, le fasciste, le raciste, puis regarde le cossier. Trop facile. J'ai déjà eu des problèmes de drogue en 1960. Ah, puis moi, ça. Ah, ben t'es bon. T'es meilleur que moi parce que t'es un peu plus vieux que moi, mais quand je vais être rendu à 60, t'as quel âge, là, Denis? Ah, plus que je vieillis, plus que je crie, calice. Mais quel âge que t'as? Je comprends Falardeau, tu sais. Quel âge que t'as? 63. Bon, ben, t'as 9 ans plus que moi, ça fait que 9 plus 6, ça fait 15. Quand je vais être rendu à ton âge, ça va faire 15 ans que je bois plus. Ça fait que moi, c'est la source de mon implication. Ça a commencé avec la crise d'octobre. Puis à un moment donné, un an après, le Parti québécois venait de venir au monde. On avait fait une manifestation pour en solidarité avec les travailleurs chiliens et à l'IND qui s'est fait suicider. Ils l'ont retrouvé avec 114 balles de mitraillette dans le dos. Là. La police pensait à un suicide, là, tu sais. Puis moi, je m'étais présenté à Chant et poème de la Résistance en 71. Puis Pauline Julien m'avait ramassé et elle m'avait crissé un esti de French. Puis j'ai tombé souverainiste d'un coup sec, là, tu sais. Donc, c'est toi qui... Ça a achevé de me convaincre. C'est le French de Pauline qui t'a... Pauline, ouais. Qui t'a allumé. C'est ça. Ouais, Pauline, puis j'étais avec... comment il s'appelle? Donc, celui qui chantait dans Macamaro, là. Je sais pas si tu t'en rappelles de lui. Fizette. Steve Fizette, ouais. Peut-être que t'es... Fizette, as-tu Frenché Steve aussi? Il a-tu fait fumer à peu près 2 onces de potes au staff, là? Dans la gang qui travaillait là, la chaîne poème et la résistance. Non, mais c'est tout ça pour dire, par contre, qu'il reste une chose. Les partis 51, puis toutes les astis de partis, puis les astis d'affaires... Ben oui, il va falloir que ça se rallie. C'est qu'à un moment donné, on s'en va dans le... C'est le PLQ, la CAQ ou QS. C'est où que tu t'en vas avec tes skis. Tu sais, puis là, à un moment donné, tu vas avoir les deux bandes à côté sur chaque bord des épaules, puis il va falloir que tu fasses un choix. T'sais, c'est pas compliqué. Les seuls... OK, je vais te poser une question en terminant. Toi, là, supposons... Mettons que le PQ paye les élections, là. Qu'est-ce que t'as c'est mis... C'est fini pour moi. Non, pas sûr. Moi c'est fini. Arrête! Non, mais ça pour mon implication, fini, je parle... C'est une base quotidienne, là. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais continuer. Je vais sûrement continuer. Denis, ce que je vais faire, j'ai mon plan pour toi. Oui, je vais pogner la plus belle chanteuse souverainiste au Québec, puis je vais lui dire, va le Frencher, puis tu vas revenir ici comme ma tête. Non, mais face à part, là. Toi, t'as-tu mis une victoire de la CAQ ou du Parti libéral? Pour moi, tu dis, on dit c'est le même, pareil au même. Ah, ouais. T'as-tu mis un ou l'autre? Qu'est-ce que tu préconiserais, toi? Non, mais moi, c'est pour juste changer la tête qu'en avant des caméras de Radio-Canada, puis que c'est encore Power Corporation qui tire les ficelles. Regarde, c'est sûr que c'est une version un peu bleu pâle, là. Tu sais, hein? Mais moi, je crois pas, une nouvelle tentative, là, de faire reconnaître le Québec dans la Constitution canadienne. Ben non, c'est pas ça. Il est trop tard pour ça, ouais, là. C'est moi, pas deux c'est... mots dans la Constitution qu'on veut, là. On le sait, ce qu'ils veulent, les Anglais du Canada. On veut notre propre Constitution, puis on veut la crisser d'invidence. Je cite, là, la Constitution canadienne... Faut même plus que ça s'applique. On sait ça fait déjà tellement de millions de dollars que ça nous coûte, là, cette petite constitution-là. Puis regarde, ils ont charcuté la loi 101 200 fois, 200 amendements à la loi 101. Puis là, ils sont en train de fricoter dans notre dos pour contester la loi 99. En passant, la loi 99, c'est qui l'a ramenée à l'unanimité pendant qu'elle était au pouvoir? C'est Mme Marois. Pauline la pas fine, là. Ben, Pauline Lapoffine, elle a fait ça en plus d'amener Pierre-Carl Péladeau. En plus de ça, puis en plus d'emmener le débat sur la charte, elle a aussi fait reconduire à l'unanimité de l'Assemblée nationale la loi 99, qu'on est obligé de défendre devant les tribunaux de la Cour suprême, là. En tout cas, je peux te dire une chose.
Le peuple canadien-anglais, le peuple canadien, les Anglais, le Canada veulent notre assimilation. C'est déjà commencé. Ben oui, ils sont en train de nous avoir. Ils sont en train de nous avoir. On pourra même plus dire ça, on les a eu, les Anglais. C'était une phrase commune, moi, quand j'étais jeune. En tout cas, je peux te dire une chose. Moi, je connais une fille qui chante, elle est souverainiste, puis elle est bien nationaliste. Elle s'appelle Marie-Chantal Toupin. Puis je pense que je vais dire qu'elle aille te voir chez vous. C'est correct, salut. Salut, je... Attention à toi, François. Oui, oui. Merci, Denis. Salut. Bye-bye. Denis Raté, mesdames et messieurs, militant. Écoutez, on peut pas... on peut pas dire que ce gars-là n'a pas la fibre. La fibre d'un indépendantiste. Et puis, je pense que quand on l'écoute, on est en... On se doit d'avoir l'oreille attentive. Je dis, bien, à quelque part, il a raison, ce gars-là. Là. On s'entremêle, on se divise, on se multiplie, mais on s'additionne jamais. Puis c'est ça qu'il faut faire, il faut s'additionner. Puis en se divisant, en créant des partis, tu sais, Falardeau le disait, là, Québec solidaire, là, c'est quoi ça? C'est quoi d'aller militer là, pour avoir du Jeep Rock à l'Assemblée, pas à l'Assemblée nationale, mais dans des logements sociaux? C'est pas du Jeep Rock qu'on veut pour le monde au Québec. On veut que le monde au Québec ait leur propre maison. Puis, comment il s'appelle? Alphonse Desjardins l'avait compris. On se faisait bloquer dans tous les banques anglaises. Il a formé Caisse populaire. 1960, création de l'impôt québécois par Maurice Duplessis. Création de la Caisse de dépôt par Jacques Parizeau et compagnie. On est capable, là. Faut juste arrêter d'avoir de jouer à fleur bleue, là, puis à fleur rose, là. Puis s'intéresser à la chose publique, s'intéresser à nos rapports d'impôts, notre argent qu'on envoie à Ottawa, puis d'envoyer ça à Québec. Ceci étant dit, merci Denis Raté, ça a été fort intéressant ce soir. Je prierai de répéter l'expérience. Les gens, t'as un langage coloré, puis c'est ça que ça prend. Salut tout le monde, on se reparle dimanche matin. Salut. C'était le Journal du soir sur radioinfocité.com avec François Saint-Louis. Pour tout commentaire, nous vous invitons à nous écrire info@radioinfocité.com.